Bonsoir à tous. Merci de nous avoir rejoints pour cette EJ co-organisée par Ecom France et par l'Institut national du patrimoine. Je suis heureuse qu'on puisse vous accueillir, malheureusement pas en présentiel comme on avait pu l'espérer. On a été contraint de prendre la décision de faire cette session uniquement sur plateforme, étant donné les difficultés qu'il était possible d'imaginer pour les déplacements ce soir. Mais on sera heureux une prochaine fois de pouvoir réorganiser quelque chose en présence. Je vais tout de suite ouvrir cette soirée en donnant la parole à Charles Persona, qui nous a rejoint et que je remercie, directeur de l'Institut national du patrimoine. Merci beaucoup. Ben, je suis heureux de voir que, comme à chaque fois, il y a beaucoup de monde à notre rencontre de ce soir. Merci à Ecom France, toujours de ce partenariat. Nous sommes, je crois, très, très heureux, en tout cas du côté de l'Institut national du patrimoine, de travailler en confiance à la conception et à l'organisation de ces belles soirées qui, de rendez-vous en rendez-vous, nous permettent d'explorer beaucoup d'aspects et d'enjeux contemporains que connaissent les musées. Aujourd'hui, la question de la participation, alors pas la participation au sens où l'entendait le général de Gaulle, mais la participation des communautés, comme il est usage de dire dans les musées, est à l'ordre du jour. C'est un sujet qui est important parce que beaucoup de professionnels de musées y sont confrontés. Moi-même, j'ai eu à rencontrer ce sujet lorsque je m'occupais de questions de musées d'histoire et comment est-ce que l'on fait la part aux témoins, à certaines communautés qui portent une mémoire, comment est-ce qu'on replace tout cela dans une déontologie, dans un contexte scientifique, comment est-ce qu'on laisse malgré tout la place à l'incarnation dans ces domaines. Eh bien, c'était un peu les questions que nous avions à nous poser, quelle méthode adopter pour à la fois tenir compte de ces mouvements et en même temps savoir mesurer la place de chacun. Je crois que ce sont des thèmes sur lesquels nous allons revenir, qui ont trouvé évidemment de plus en plus d'écho dans notre société où la volonté de participer, de s'impliquer est de plus en plus grande, où l'institution du musée est sans doute questionnée, remise en question parfois, et les musées ne doivent pas évidemment être des tours d'ivoire inaccessibles à ces demandes, tout en restant pour ceux qui le souhaitent également des endroits qui peuvent être des lieux un peu en dehors du bruit du monde, des refuges, des endroits de paix, de silence, de contemplation, toutes choses qui ne sont pas à proprement parler ce que l'on rencontre, et ces jours-ci nous le rappellent, dans la rue et dans le bruit de notre société. Nous avons essayé d'explorer ces problématiques dans notre revue Patrimoine. Je me permets cette petite page de publicité. La revue Patrimoine était consacrée aux patrimoines en partage, des revendications aux collaborations. Et l'on y voit qu'il y a différentes formes, effectivement, de ces demandes de participation, différentes possibilités d'y répondre également. Je crois qu'il est important aussi de ne pas oublier, on pense très vite aux formes les plus militantes de cette participation, mais à la longue habitude qu'ont les professionnels de musée, et pas seulement les professionnels d'institutions patrimoniales, de travailler avec des sociétés d'amis, des sociétés savantes, qui ont toujours fait partie du paysage des institutions et avec lesquelles il n'a pas toujours été simple de travailler. On connaît les heurts que peuvent connaître certains directeurs de musées. On a Charles, je ne sais pas si vous nous entendez, mais on a une rupture visiblement. Une oui, Charles, on a une petite coupure, on vous a perdu pendant une minute. Ah oui, non, mais je disais simplement que si vous m'entendez à nouveau, que cette question ne datait pas d'aujourd'hui, puisque l'environnement, différentes associations, les associations d'amis au premier chef, avec lesquelles il avait fallu trouver une méthode de travail, parfois non sans mal, mais qui ont tant enrichi les institutions de musées. Voilà, donc ce sont tous ces aspects que nous allons
pouvoir découvrir ce soir avec les intervenants que je remercie, tout en remerciant encore une fois le public et Icom France de ce beau partenariat. Bonne soirée. Merci beaucoup Charles pour ces mots d'introduction. Avant de céder la parole à Emma Nardi, la présidente de l'ICOM, qui nous fait la gentillesse et l'amitié d'être avec nous, je voulais commencer par quelques mots et d'abord par une citation. « Le plus important aux Jeux Olympiques n'est pas de gagner, mais de participer, car l'important dans la vie, ce n'est point le triomphe, mais le combat. » À moins de 500 jours du début des Jeux Olympiques de Paris, la tentation était forte, peut-être trop d'ailleurs, pardonnez-moi, de faire référence à Pierre de Coubertin à travers la célèbre formule issue de ses propos, reprise comme titre pour notre soirée de ce soir. Au-delà du clin d'œil de circonstances, cette maxime peut aujourd'hui sonner comme une injonction dans le monde des musées. Les initiatives inclusives fleurissent depuis quelques années. Appel à documentation contributive, projet de médiation partagée, co-construction d'expositions, collecte participative, prise en compte des citoyens dans la rédaction de projets scientifiques et culturels, et j'en passe. Émilie Sidzia, d'ailleurs, dans son introduction à cette soirée, nous rappellera ce contexte et les théories qui s'y rapportent face à une société civile toujours plus désireuse d'être entendue et de participer à la vie de nos institutions. Musées de société, d'histoire, de beaux-arts, de sciences, toutes les familles de musées sont concernées et développent des projets partagés, largement ouverts à la contribution d'autres voix que celles qui émanent du musée lui-même, des projets bien souvent militants et engagés, mais pas seulement, comme l'a rappelé Charles. De manière récurrente, ils font naître des questions au fur et à mesure de leur avancement, nous poussent à remettre en cause nos habitudes professionnelles, parfois à bousculer nos manières de travailler, et finalement nous interrogent sur les fondamentaux, pour rester là encore dans le champ lexical du sport, en empruntant cette fois au vocabulaire rugbystique. Dans un monde devenu polyphonique ou multivocal, où les niveaux et les types d'expertise se multiplient, ce dont on peut bien sûr que se féliciter, comment redéfinir et faire entendre la voix du musée, qui est garante d'un discours scientifique et institutionnel? C'est une grande question que nous allons nous poser ce soir. Alors que les musées ne peuvent plus se permettre de travailler isolément de la société qui les entoure et dont ils sont le reflet, évidemment, l'intégration de ces paroles extérieures doit aujourd'hui pouvoir participer de la crédibilité des musées, pour reprendre les mots d'Alberto Garlandini, ancien président de l'ICOM. Pour avoir personnellement mené ou suivi des projets participatifs dans le cadre de mes fonctions professionnelles, je sais que les difficultés rencontrées dans la conduite de ces projets sont parfois inentendues, voire tenaces, mais que les satisfactions qu'on peut en retirer sont grandes et pleines, et que les questions qui se posent avant, pendant et après de ces projets sont parfois bien nombreuses. Quelle place donner à l'expression de voix autre au sein d'un musée? Comment assurer un vrai rôle de modérateur? Comment former les professionnels du musée à ces exercices spécifiques et parfois complexes? Faut-il et comment rétribuer les personnes extérieures au musée qui s'investissent dans ces activités? Quelle juste place donner à ces pratiques et comment les encadrer sans pour autant les censurer? Quels moyens pour bien les évaluer? Quelques questions parmi tant d'autres. Je ne doute pas que nos intervenants ce soir auront des éléments de réponse et sans doute d'autres questions. Tout cela contribuera à réaffirmer, mais peut-être aussi redéfinir, dans un contexte plus exigeant, plus engageant, plus combatif peut-être, nos responsabilités en tant que professionnels de musée. Je vous remercie tous d'être là. On est à l'heure actuelle plus de 160, ce qui prouve bien l'intérêt que nous avons tous pour ces questions. Je remercie aussi d'avance l'ensemble des intervenantes ce soir qui ont accepté de partager leur expérience avec générosité et honnêteté. Merci également à Marie-Laure Estignard, qui est en face de moi, vous ne le voyez pas, mais qui est juste là, qui assure la modération de cette soirée, ainsi qu'à l'ensemble des membres du conseil d'administration d'ICOM qui ont travaillé à la préparation de l'événement. Je tiens naturellement à remercier l'INP et ses équipes qui rendent possible ces rendez-vous, Charles Persona, son directeur que nous venons d'écouter, Séverine Blenner-Michel, directrice des études au département des conservateurs, qui va conclure cette soirée, Émilie Maume, responsable de la programmation et des publications scientifiques, ainsi que l'équipe de l'auditorium Jacqueline Lichtenstein, qui malheureusement n'est pas avec nous, mais qu'on remercie d'avoir préparé cet événement. Un grand merci encore et toujours à Anne-Claude Maurice, notre déléguée permanente, Alexia Mackinet, que vous verrez peut-être dans une des petites cases, qui a rejoint notre équipe tout récemment, à l'ensemble du bureau d'ICOM France, à nos traducteurs, puisque cette soirée est traduite en anglais et en espagnol,
et à nos sténos pour leur travail toujours efficace qui nous permet de publier dans des délais extraordinaires tous nos événements pour leur donner une portée encore plus forte. Je fais une incise pour vous dire que la publication de la dernière soirée du mois de décembre sur les normes de conservation sera disponible d'ici quelques semaines. Je remercie aussi Antoine de Philippis, que j'ai omis dans la liste des noms que je vous donnais et qui assure aux côtés d'Anne-Claude ce soir la régie technique pour Ecom France. Je vous souhaite à tous et tous une bonne et profitable soirée et je remercie spécialement enfin Emma Nardi, à qui je passe la parole, présidente d'Ecom, qui nous fait, comme je vous le disais, l'honneur de sa présence et à qui je cède le micro tout de suite. Bonsoir Emma. Bonsoir, merci beaucoup pour cette invitation. J'ai l'honneur de représenter l'Ecom devant vous et je voudrais vous exprimer ma reconnaissance pour cette possibilité. Votre entretien, l'important, c'est participer. Bien entendu, j'ai tout de suite pensé à la devise olympique et je la partage parce que c'est un message de paix, de tolérance, de solidarité. Et je pense que les musées ont ce grand rôle de pouvoir s'ouvrir au public et de leur donner des opportunités toujours plus grandes. Je connais la tradition de vos entretiens, débats auxquels j'ai souvent participé. Et j'aime beaucoup votre habitude de poser les problèmes sous forme de questions. Du point de vue de rhétorique, ces questions sont des propositions logiques, c'est-à-dire des propositions qui peuvent aboutir à des réponses différentes. Elles permettent d'échanger des opinions et de créer de façon collective une ligne de pensée. Ce sont les réponses à ces questions qui caractérisent votre comité national et, de façon plus large, le monde des professionnels des musées. Le conseil exécutif de l'Ecom, qui a conclu son mandat à Prague en 2022, a réalisé deux documents très importants qui ont été approuvés avec enthousiasme par l'Assemblée générale, la nouvelle définition de musée et le plan stratégique. Vos questions, celles que vous posez pour cet entretien, reprennent beaucoup de ces thèmes. L'ouverture au public a toujours été une des caractéristiques des musées. C'est même l'élément le plus important qui les distingue des collections privées. En vous interrogeant sur la place à donner à l'expression des voix autres au sein des musées, vous abordez une des caractéristiques fondamentales de la nouvelle définition, qui considère le musée comme une institution encourageant la diversité, la durabilité, et qui non seulement opère avec la collaboration de diverses communautés, mais qui est aussi ouvert au partage des connaissances. Emma, désolée de vous interrompre, je crois que votre micro a été coupé, on ne vous entend plus. Vous m'entendez maintenant ? Ça y est, merci. Je ne sais pas pourquoi il a été coupé, mais je ne sais plus où j'en étais. Peut-être je peux reprendre sur les tâches qui changent le rapport entre ceux qui travaillent au musée et ceux qui le visitent. Et qui crée une situation où le savoir est en quelque sorte partagé et même, voire, échangé. Facile à dire, mais très difficile à réaliser. Et moi aussi, j'ai des questions. Comment harmoniser ces différentes voix autres, comme vous les définissez? Comment encourager la diversité, un des points de notre plan stratégique commun? Comment réaliser un équilibre entre ce qui est dedans et ce qui est dehors? L'expérience du musée et l'expérience de vie. Comment éviter la censure sans tomber dans la confusion démagogique? Et ça, c'est très important, parce qu'il faut quand même considérer que les professionnels des musées ont cette responsabilité. Comment aider les médiateurs à intégrer leur rôle traditionnel au rôle nouveau et beaucoup plus nuancé qui leur est demandé aujourd'hui? Ce sont des questions qui, j'en suis sûre, trouveront la réflexion nécessaire dans votre débat.
En ce moment, le Conseil exécutif de l'ECOM s'interroge sur la mise en place du plan stratégique. Nous sommes en train de travailler sur la stratégie possible et sur des propositions qui pourraient être partagées par tous les comités et en particulier les comités nationaux. Je voudrais vous en anticiper une. Cette année, la Journée internationale des musées est consacrée au thème « Musée, durabilité, bien-être », un des points les plus importants du plan stratégique de l'ECOM. Je voudrais instituer un prix pour que chaque comité puisse attribuer un prix national en suivant un protocole que nous allons discuter ensemble et établir avec le département Museum and Society du secrétariat de l'ECOM et du groupe de travail pour la durabilité. Le prix sera annoncé le 18 mai. Les protocoles pour y participer seront prêts quelques mois après, avec votre collaboration. Donc, en 2024, on devrait pouvoir annoncer des vainqueurs pour tous les comités qui voudront adhérer à l'initiative. Parmi tous ces vainqueurs, un jury international pourra ensuite choisir le lauréat global à être annoncé pendant la conférence générale de Dubaï en 2025. Je crois beaucoup à cette initiative qui pourrait unir tous les comités nationaux de l'ECOM sur un thème qui devient de plus en plus central à notre réflexion. J'espère pouvoir travailler avec vous sur cette initiative et sur d'autres. Je vous remercie pour la traduction dans les trois langues de l'ECOM, tous les membres de l'ECOM, soit qu'ils parlent anglais, français ou espagnol, vont pouvoir participer activement à vos travaux. Et j'attends, comme d'habitude, et je le souligne parce que je sais qu'elle est très rapide, la publication de votre débat d'aujourd'hui. En attendant, je vous souhaite une excellente discussion et bonne soirée à tout le monde. Merci. Un grand merci, chère Emma, de vos mots et de votre présence qui était très importante pour nous ce soir. Je vais passer la parole à Marie-Laure Estignard. Avant, je voulais simplement vous préciser de ne pas hésiter à faire vos remarques ou vos questions via le chat et qu'on ménagera un petit temps à mi-parcours pour pouvoir interroger nos intervenants et leur délivrer vos réflexions. Donc, n'hésitez pas à l'utiliser, on le surveille et je cède tout de suite la parole à Marie-Laure. Bonne soirée. Bonjour à tous. Donc, on va avoir six interventions ce soir. Et au milieu, enfin, au bout de trois interventions, on va s'arrêter pour échanger ensemble sur les éléments qui nous ont été apportés. Donc, les trois premières interventions, on entendra Émilie Sylvia, puis Xavier Dassel et Lina Tahan. Ensuite, on aura cette pause, puis trois nouvelles interventions avec Annabelle Ténèze, Lorella Rinson et Luisa De Peña-Diaz. Et là encore, on terminera par un échange sur ce sujet qui, je pense, nous concerne tous, enfin presque, parce que moi, juste pour mon expérience, j'ai été dans des musées de société, donc là, oui, j'ai fait plein de participatifs, plein de collectes, etc. Et puis aujourd'hui, dans un musée de sciences, croyez-moi que le participatif dans les musées de sciences, c'est extrêmement limité parce que seuls les scientifiques pensent qu'ils ont le droit de participer. Donc je pense que nous, dans les musées de sciences et techniques, il est temps que le participatif puisse revenir. Mais je vous promets, ce n'est pas gagné et c'est un grand défi. Si on y arrive dans les musées de sciences, on y arrivera partout. Voilà. Donc, notre première intervenante est Émilie Sitia. Bonjour Émilie. Donc Émilie est professeure et titulaire d'une chaire à l'Université d'Amsterdam et professeure associée en éducation culturelle à l'Université de Maastricht. Elle est spécialisée dans l'impact de l'art sur les publics, la muséologie et les études interdisciplinaires, que sont mots, images, etc. En 2019, elle a été coéditrice du numéro du Stedelijk Studies intitulé Toward the Museum of Mutuality. En 2020, elle a été résidente à l'Institut d'études avancées IMERA à Marseille, où elle a travaillé avec le MUSEM, et donc je pense avec Émilie, sur les questions d'identité, de narration et de stratégie d'exposition multimodale. Autant dire que son expérience répond parfaitement à notre problématique. Aujourd'hui, Émilie va nous proposer une introduction générale sur les pratiques actuelles des musées sur ces thématiques participatives. Elle se pose la question de l'engagement
et de la prise de position des musées sur les questions sociétales et comment prendre en compte cette nouvelle volonté d'expression des sociétés civiles. Pas forcément évident, en tout cas c'est la question qu'elle nous pose. Et comment le musée peut conserver, au-delà de cette position des musées, de cette question sociétale, une vraie neutralité ? Quelles sont aussi les différentes typologies d'expériences participatives ? Et enfin, comment on peut, nous, musée, ne pas se faire confisquer le discours par des revendications de communautés, de territoires, de militants, et même, comme le montre aujourd'hui l'actualité, d'activistes. Pour illustrer son propos, Émilie prendra un certain nombre d'exemples internationaux pour nous raconter son expérience. Voilà, bah, écoute, Émilie, je vous laisse la parole et merci beaucoup. Merci beaucoup de l'invitation. D'abord, je vous prie d'excuser d'avance les anglicismes qui se glisseront certainement dans mon intervention, l'anglais étant ma langue habituelle de travail. Et en fait, je souhaite avec cette intervention vraiment juste offrir quelques pistes de réflexion sur le sujet des pratiques participatives. Mon point de vue est celui d'une universitaire française travaillant aux Pays-Bas et étudiant des pratiques internationales. Et en fait, je voudrais commencer aujourd'hui en mettant en avant le changement de contexte qui a pris place ces dernières décennies. Est-ce qu'on peut changer le... Merci. Donc, tout d'abord, il faut noter qu'il y a une évolution des rôles des musées dans les théories qui ont été développées par la sociologie, par la muséologie, par en fait, tout l'appareil d'études autour des musées. La nouvelle muséologie, par exemple, propose depuis un certain temps déjà une approche muséale non plus centrée sur l'objet, mais sur les publics. Elle demande aussi plus de transparence et de collaboration à tout niveau. Et je pense que Xavier de la Selle y reviendra certainement dans un instant lorsqu'il vous parlera des écomusées. Autre changement de contexte, la prolifération des publications autour des pratiques participatives, publications pas toujours très critiques et qui perçoivent les pratiques participatives comme la solution quasi unique à de nombreux problèmes rencontrés par les musées, dont les problèmes de pertinence, de représentation, d'inclusivité qui sont très présents dans les écrits sur les musées dans le monde anglophone et dans le monde néerlandophone en tout cas. Donc, la démocratisation des institutions muséales a pris un caractère urgent. Je peux changer de slide, merci. Pardon. On a vu dans le monde de la théorie des musées des discussions accrues autour des problématiques d'émancipation des visiteurs individuels, d'empowerment de communautés diverses et du développement du musée comme institution agoniste où de multiples voix se confronteraient. Des théories tout à fait intéressantes, mais souvent bien loin des pratiques actuelles muséales. On peut changer aussi. En plus de ces changements de contexte théorique, il faut aussi prendre en compte les changements sociaux et les changements idéologiques. La volonté d'expression dans la société en général et dans les musées en particulier, de la société civile et des communautés citoyennes change la donne. Les discussions autour de la neutralité des musées est maintenant informée par des perspectives postcoloniales et féministes qui demandent des changements de pratiques au niveau des collections, objets et archives et de la narration, en prenant en compte des voix et des points de vue variés. Tout ça dans un contexte d'une société qui est de plus en plus politiquement et socialement polarisée, tentant de répondre à des besoins de perspectives de plus en plus simultanément très très locales et très très globales. Changement. Merci. Donc, tous ces changements sont visibles dans la nouvelle définition du musée dont on parlait il y a une minute, que vous connaissez bien, et qui prône un musée, je cite, accessible et inclusif, qui, je cite, encourage la diversité et la durabilité, et joue son rôle, je cite, avec la participation de diverses communautés. Le musée se retrouve donc dans un équilibre qui est assez précaire. On peut changer le slide de nouveau. Où en effet, on voit une partie donc des gens travaillant sur les musées affirmer que la galerie d'art public et les musées prennent position et doivent prendre position. Et d'un autre côté, on a donc le positionnement de quelqu'un comme Patromé qui nous met en garde qu'il faut que le musée ne devienne pas la caisse de résonance de revendications identitaires de différents groupes. Bref, le musée doit jongler ces différentes nécessités.
Je vous ai mis là la calèche du roi néerlandais. Vous vous demandez probablement pourquoi je vous ai mis la calèche du roi néerlandais. Et bien, c'est parce que c'est un des exemples qui, il me semble, a réussi à réconcilier un petit peu ces problèmes d'équilibre. C'est une exposition qui a eu lieu de juin 2021 à février 2022 au musée d'Amsterdam et qui exposait donc le Golden Coach, la calèche en or du roi néerlandais. C'est une calèche qui était empruntée aux collections royales, qui a été donnée à la reine néerlandaise Wilhelmina pour son inauguration en 1898 et qui est utilisée chaque année par la famille royale pour des célébrations du jour du prince, des mariages et autres cérémonies. Mais voilà, c'est un patrimoine très très contesté, en partie dû à la représentation des colonies sur l'un des panneaux de la calèche. Marie Chavemaker, qui est directeur scientifique du musée d'Amsterdam, a beaucoup travaillé sur ce projet et avait vraiment une envie d'essayer de mettre en pratique le musée agoniste, le musée polyvocal. Le slide suivant, s'il vous plaît. Et je pense qu'elle explique très bien elle-même les différentes stratégies en fait, qu'elle a utilisées. La première, ça a été de présenter des perspectives multiples. Donc, c'est autour de la calèche qui trône au milieu de la cour. Il y a 6 salles qui représentaient des voix multiples, contemporaines et historiques, et qui venaient éclairer l'objet de multiples perspectives. Le musée d'Amsterdam avait aussi commissionné 18 artistes contemporains d'une variété d'origine et de génération pour répondre à la calèche. Donc, il y avait des œuvres d'art qui répondaient à la calèche, à son symbole, à sa matérialité, à sa, et surtout à sa représentation des colonies. Avec le public, il y a eu toute une stratégie de dialogue qui a été mise en place en mettant en place toute une série de dispositifs. Je ne peux pas les détailler ici, je pense que je n'aurai pas le temps. Mais il y a eu un travail vraiment à plusieurs niveaux qui essayait à la fois donc, de représenter les différentes perspectives sur cette calèche et d'entendre les voix du public et de montrer les voix du public autour de ce travail. Donc un travail à plusieurs niveaux qui comportait à l'intérieur de cette pratique déjà plusieurs types de pratiques participatives. Est-ce qu'on peut changer le slide? Merci. Et je souhaiterais m'attarder un petit peu maintenant sur ce que l'on veut dire par pratique participative. Parce que la participation manque malheureusement de définition. Ma collègue Anna Elfers et moi avons identifié que dans un même musée, la façon de comprendre ce que signifie la participation dépend des départements et de la culture à l'intérieur de chacun de ces départements. Et ce qu'on a trouvé, c'était qu'il y avait très souvent une incompréhension entre différents membres d'un même corps, si vous voulez. Par participation, on peut vouloir dire plein de choses. On peut vouloir dire présence, fréquentation, donc qui vient au musée. On peut parler de contribution ou de consultation. On peut parler de collaboration, de co-création de sens et d'interprétation, de co-création d'objets, d'événements, et jusqu'au point de co-curation. J'ai vu que Florent Moll est là, il pourra vous en parler certainement aussi de son expérience personnelle en ce qui concerne la co-curation. Donc tout ça est compris comme de participation, mais tout ça n'est pas forcément discuté explicitement au début de chaque projet. Et la différence principale que l'on trouve entre ces différents types de participation, eh bien, c'est la gentilité qui est donnée au public. Par gentilité, je veux dire la combinaison entre une intention, une action et un résultat qui est voulu par ce public. Et je pense que quand on parle de présence ou de collaboration, on parle de quelque chose de très différent au niveau de la gentilité du public et des participants que si on parle de co-curation. Est-ce qu'on peut changer le... Merci. On peut se poser la question de pourquoi est-ce qu'on fait tout ça? Pourquoi donner le pouvoir? Quelle est la nécessité? Tout d'abord, je pense qu'il y a une nécessité institutionnelle et sociale. Si le musée veut rester pertinent, je pense qu'il faut effectivement commencer à donner une partie du pouvoir. Il faut trouver un équilibre entre émancipation individuelle, empowerment d'une ou des communautés et de la réalité du fonctionnement muséal. Et il faut surtout se poser la question jusqu'où
Est-ce qu'on peut, est-ce qu'on doit, est-ce qu'on veut donner du pouvoir? Et ça, c'est quelque chose sur lequel j'ai réfléchi avec Julia Ferroni dans un article que nous avons publié récemment. Alors, voilà, je viens avec beaucoup de questions, surtout de... Est-ce qu'on peut changer les slides? Merci. Je viens avec beaucoup de questions en suspens, plus de questions que de réponses. Je pense qu'il y a plein de pratiques, de stratégies, d'institutions qui travaillent de façon différente pour ça. Et je pense que les questions qui restent en suspens sont au final les questions les plus importantes. Tout d'abord, qu'est-ce qui se passe au-delà de l'exposition ? Il y a les problèmes de temporalité. La plupart des pratiques participatives qu'on voit sur le champ sont des pratiques qui sont temporaires, ce sont des expositions temporaires. Qu'est-ce qu'on fait de permanent ? Qu'est-ce qu'on fait de sustainable, comme on dirait en anglais, hein, qu'est-ce qui peut créer un lien avec une communauté à long terme ? Comment négocier les temps de production ? Des temps de production des pratiques participatives sont souvent des temps très longs, qui demandent beaucoup d'investissement de la part du musée, mais aussi de la part des participants. Comment construire la confiance ? Quelles sont les stratégies qui ont été trouvées pour construire la confiance entre une des institutions qui sont souvent perçues comme autoritaires et des groupes qui sont souvent qui se perçoivent eux-mêmes souvent comme fragilisés. Comment négocier les signatures? Comment est-ce qu'on négocie les expertises et comment est-ce qu'on reconnaît les savoirs situés, les savoirs universitaires, les savoirs professionnels? Dans différents contextes, dans la presse, dans l'espace de l'exposition, dans le catalogue, etc. Comment est-ce qu'on compense les participants ? Comment est-ce qu'on travaille sur la représentation et la réception ? Moi, je suis en train de travailler sur un article qui s'intitule « Jamais assez, jamais parfait ». Je pense que ça résume beaucoup des pratiques participatives, en tout cas l'impression que beaucoup de musées qui s'engagent dans les pratiques participatives ont de leur pratique. Comment accepter les ruptures ? Je pense que la question du rôle des professionnels du musée, des nouveaux rôles des professionnels du musée que demandent ces participations est quelque chose d'essentiel à réfléchir. Quelle nouvelle formation faut-il penser ? Comment éviter les segmentations entre les différents départements ? Comment être sûr qu'il y a une médiation continue avec les participants ? Et finalement, donc, des questions autour des agentivités, des priorités concurrentes qu'on trouve dans les institutions. Agentivité des groupes de participants, des départements du musée, priorités institutionnelles ou nationales. Tout ça, ce sont des choses qui sont importantes. Mais je pense que la chose la plus importante, c'est comment rendre les conflits productifs. Parce que des conflits, il y en a toujours dans les pratiques participatives. Mais comment les rendre productifs, je pense que c'est ça qui est une des clés du travail autour autour de la participation. Mais est-ce qu'on peut changer le slide ? Mais bon, l'important, c'est de participer. C'est ça qui est. Je reviens au bon mot d'Émilie. Je pense que c'est vraiment quelque chose. C'est une pratique qui ne va pas s'en aller. Donc, il faut vraiment se poser ces questions. Merci beaucoup. Merci Émilie de ce panorama qui nous permet d'abord d'avoir un point de vue qui est extrêmement étayé et d'avoir une bonne vision de ce que c'est qu'aujourd'hui le participatif. Moi, j'aurais une question à vous poser. Vous parliez des musées comme caisse de résonance, de revendications identitaires, de groupes, enfin de groupes, de territoires, de communautés, etc. Moi, je voulais vous poser la question sur le rôle des élus, des décideurs. Comment est-ce qu'on traite la parole des décideurs, que ce soit des hommes politiques, des directeurs d'institutions ou autres, dans les musées participatifs, et comment est-ce qu'on peut faire en sorte que leur parole, que les musées ne leur servent pas de caisse de résonance ? Moi, ça a pu m'arriver, hein, dans un musée de société, de voir les décideurs poser des discours extrêmement forts et qui du coup réduisaient un petit peu le reste du participatif. Comment est-ce que vous voyez le rôle des politiques et des décideurs? Je pense que les expositions participatives sont simplement pas le lieu de cette parole.
Et en fait, je pense que c'est quelque chose qui doit être très clair et qui doit être communiqué très tôt avec ces décideurs. Il faut faire comprendre aux décideurs quel type de participation est en train d'être fait, quel est le travail qui a été mis dans cette participation, un travail de longue haleine, très souvent, et les enjeux de cette participation. Et je pense que c'est important de comprendre que ce n'est pas simplement un conservateur ou quelqu'un, un individu qui fait du participatif, c'est toute une institution. Et je pense que c'est donc que si toute l'institution ne suit pas, le participatif ne peut pas fonctionner. Et je pense qu'il n'y a vraiment pas de place pour l'interférence dans le discours participatif de celui des décideurs. Je crois que ça doit être très clair, dès le départ avec l'institution. On ne risque pas justement du coup d'aller à un conflit et de voir la parole du décideur et des communautés à côté en opposition, parce qu'on peut avoir des décideurs qui sont dans une majorité, que le musée retrace quelque chose d'autre que ce que porte la majorité. Pour moi, ça c'est. Vous avez des exemples, par exemple? Oui, c'est quelque chose que j'ai rencontré plusieurs fois et je pense que c'est quelque chose qui arrive de façon régulière, où il y a des décisions qui sont parfois assez violentes et assez visibles au niveau des titres, au niveau des changements de scénographie ou des choses comme ça, qui sont à mon avis de nouveau qui n'ont pas de place vraiment dans ces pratiques-là. Et je pense que c'est quelque chose qui doit être discuté de façon plus en avant. Et je pense qu'il ne faut pas hésiter à effectivement rentrer dans les brancards quand ce genre de choses-là arrive, parce que ça décrédibilise toute la pratique participative qui est en train de se faire. Je pense que si on est honnête en tant qu'institution pour donner du pouvoir, le reprendre de façon violente et non négociable, c'est remettre en cause l'essence même du participatif. D'accord. Alors, dans le chat, il y a une petite question, mais quand les décideurs sont des bailleurs de fonds, ou alors en tout cas ceux qui payent, hein, en fait on en a quand même beaucoup, le musée se retrouve parfois en étau. Alors c'est un constat, certainement. Effectivement. Alors, moi je me souviens, quand j'étais à l'INP, on lui disait toujours que le conservateur c'est celui qui dit non. Moi j'ai l'impression de dire non tout le temps. Voilà. Et bien, ça se trouve pas mal quand même. Ça ne fait que continuer. Voilà, mais écoutez, si vous avez quelque chose d'autre à ajouter, Mimi? Oui, je pense que le conservateur, c'est celui qui dit non, mais qui ne dit pas forcément non pour lui, qui dit souvent non pour les autres. Ah, mais on est d'accord. Il dit pas non pour lui, il dit non pour ses collections, non pour l'environnement, non pour nos propos scientifiques, non pour plein de choses. Bon, c'est quand même celui qui dit non. Hein. Ok, merci beaucoup, Émilie. Et je vais passer du coup la parole à Xavier de la Selle. Donc, Xavier est conservateur en chef du patrimoine. Il est directeur du musée de Gadagne et le musée d'histoire de Lyon et le musée des arts de la marionnette. Alors, on va peut-être travailler ensemble, parce que moi, je viens de récupérer plein d'automates et plein de choses, donc on va peut-être travailler ensemble bientôt. Il assume également la responsabilité du pôle des musées d'histoire et de société de Lyon, qui intègre également le musée de l'imprimerie, tiens, là aussi, je pourrais travailler avec lui, et de la communication graphique, ah ben là aussi, et le musée de l'automobile, ah ben là aussi, Henri Mallard. Je pense qu'on va travailler beaucoup ensemble, Xavier. Son parcours antérieur a commencé dans le secteur des archives. C'est un ancien élève de l'École nationale des chartes. Il a exercé des fonctions d'archiviste, principalement en Champagne, en tant que directeur des archives départementales de l'Aube, de 1993 à 2007. Pendant cette période, il a expérimenté de multiples possibilités de collaboration entre les différents secteurs du patrimoine qui l'ont conduit à prendre la responsabilité du RIV, Centre Mémoire et Société, nouveau lieu culturel ouvert à Villeurbanne en 2008. Génial. Il a été élu en 2022 président de la FEMS, donc la Fédération des écomusées et des musées de société, dont le musée dans lequel j'étais a été longtemps un adhérent. Donc, Xavier va nous présenter une petite revue historique sur le participatif dans les musées de société, notamment, qui ont bien souvent, croyez-moi, une longueur d'avance sur les autres. Alors, quelquefois, c'est même des tout petits musées, mais en termes de participatif, ils sont extrêmement innovants au regard de ce que les musées de Beaux-Arts, et encore nous, je m'excuse encore, mais les musées de sciences et techniques, on est en capacité de faire. Donc, Xavier, je vous laisse la parole. Merci, Marie-Laure. Est-ce que vous m'entendez bien ? Moi, très bien. Mon micro fonctionne. D'accord. Parfait. Bon, super. Merci beaucoup. Merci à Ecom France. Merci à Émilie de m'avoir invité à intervenir ce soir.
Vous avez rappelé mon parcours. Effectivement, je travaille aujourd'hui dans un musée et je pense que c'est à la Fédération des écomusées et des musées de société que je le dois. Et si finalement je m'intéresse aujourd'hui ou si je travaille dans un musée, c'est sans doute par la question de la participation. Et du coup, je vais essayer d'évoquer la manière dont le sujet est abordé dans le milieu des écomusées et des musées de société qui sont rassemblés depuis une trentaine d'années, depuis 1989, dans cette fédération des écomusées et des musées de société, la FEMS. Et voilà, essayer d'être dans un propos un peu général, un peu historique, mais pas seulement. Alors, c'est intéressant peut-être de reprendre quelques jalons historique. On peut peut-être mettre la première slide. J'ai fait une petite présentation qui est en fait plus un canevas que des contenus de ce que je vais présenter. Vous pouvez mettre tout de suite la suivante peut-être pour juste afficher un petit peu les quelques éléments que je vais aborder. J'espère pouvoir aborder les sujets que je pensais traiter ce soir, mais peut-être que je serai amené à écourter ou à court-circuiter certains sous-sujets que je pense aborder de manière à ne pas monopoliser la parole. Le sujet est tellement vaste que c'est difficile de tenir en quelques minutes. Peut-être quelques jalons historiques parce que on peut mettre directement la diapo suivante parce que les responsables des écomusées et de société aiment bien, je l'ai constaté et j'en fais partie désormais, se situer dans une filiation. La filiation de Georges-Henri Rivière, la filiation de Hugues de Varine, les deux cofondateurs de concepteurs, disons, du principe de l'écomusée, on pourrait dire de l'utopie écomusée-muséale. Et cette filiation est souvent rappelée lorsqu'il y a des rencontres professionnelles, et je citerai, parce que je me suis beaucoup inspiré de ce travail qui a été publié en 2018, qui rassemble des communications, des rencontres professionnelles de la FEMS qui se sont tenues à Marseille, et notamment au MUSEM, en 2015, et qui ont permis de rassembler ce que la littérature professionnelle et scientifique, et finalement, elle émerge bien maintenant, mais elle, dans le monde professionnel, les récits d'expérience sont finalement relativement peu nombreux. Et là, ça avait été l'occasion à ce moment-là, mais ça commence à dater un petit peu, l'occasion de rassembler de nombreux retours d'expérience, dont certains ont été publiés dans cet ouvrage et d'autres sont encore consultables sur le site internet de la FEMS à l'état de fiches de retours d'expérience. Et donc, les repères chronologiques, je vais être un peu rapide là-dessus, on peut mettre la diapo suivante. Ce qui me paraît intéressant, c'est de rapprocher les éléments où on voit bien qu'il y a un tournant à la fin des années 60, années 70. Du point de vue de l'histoire des écomusées, bien sûr, c'est cette naissance de ce concept, avec notamment la création de l'écomusée du Creusot, qui ne s'appelait pas comme ça au départ, mais qui devient un écomusée. Et puis, le contexte international, la conférence générale de l'ICOM en 71, la table ronde organisé par l'ICOM, mais à la demande de l'UNESCO donc au Chili, où là, on voit émerger cette question de la participation, de la place nécessaire des habitants, de la question du territoire et de ses habitants. Et tout ça est pris aussi dans un contexte beaucoup plus large qui ne concerne pas simplement les musées, dont on voit bien, si on considère par exemple l'ouvrage fondateur du droit à la ville d'Henri Lefebvre dans le monde de l'urbanisme aussi, qui a toute une histoire aussi de la participation. Il faut remonter à la fin des années 60 pour voir cette revendication encore un peu théorique des habitants d'une ville, par exemple, à participer à la vie politique. Et puis, la théorisation de l'échelle des participations de cette sociologue américaine Sherry Einstein qui va inspirer tous les chercheurs et notamment tous les sociologues qui vont essayer d'analyser les expériences de participation et pas simplement dans les musées, mais notamment dans les questions urbaines. Et donc, voilà que ça date aussi de 69. Et puis alors, à l'autre bout, alors, entre ces années-là et les années 2000, on a la création de la FEMS en 89, hein, c'est un petit point de repère pour les musées de société, mais on voit que, alors, dans le contexte français il y a, et européen, il faut attendre finalement pas mal d'années pour que dans le contexte, dans l'univers, disons, plutôt réglementaire ou législatif ou celui des conventions internationales, on voit émerger des textes qui assurent un socle plus fort sur ces problématiques de participation
Et donc là, je ne vais pas m'apesantir parce que je pense que les participants de la réunion de ce soir connaissent sans doute assez bien ce contexte-là, mais j'insisterai quand même particulièrement sur, et Charles Personnel l'évoquait tout à l'heure en parlant de communauté, ce terme de communauté est omniprésent dans la Convention UNESCO, petite faute de frappe, excusez-moi, la Convention de Faro, bien sûr, et la Déclaration des droits culturels de Fribourg de 2007. On voit bien que dans ces années-là, il y a une reprise en compte des droits humains, puisque le droit des êtres humains à participer à la vie culturelle apparaît déjà, je crois que c'est l'article 27 de la Déclaration des droits de l'homme, donc 48, mais on voit bien qu'à ce moment-là, on est dans cette idée de reprendre et de l'affiner, de le détailler, de le préciser et de l'appliquer à la vie culturelle et plus singulièrement à la question du patrimoine. Et donc là, je voudrais juste reprendre cette question de patrimoine parce que dans l'esprit et dans les nombreuses déclarations, discours, articles de quelqu'un comme Hugues de Varines, cette question du patrimoine, d'une vision élargie du patrimoine appliquée à un territoire est centrale dans la conception éco-muséologique, elle-même prise dans ce que l'intervention précédente a évoqué en parlant des nouvelles muséologies, dans la question des nouvelles, ce qu'on appelait les nouvelles muséologies ou les muséologies sociales, les muséologies citoyennes, qui ont maintenant pratiquement 50 ans, l'écomuséologie, elle est bien prise là-dedans. Et ce qui me paraît important d'évoquer ce soir, c'est peut-être, c'est pour ça que je voulais parler de freins ou d'écueils, et Émilie Estizia a bien souligné tout à l'heure toutes les problématiques, tous les inconvénients, toutes les difficultés, les obstacles qui se dressent lorsqu'on commence à parler de participation. Et on peut peut-être avancer dans le diapo suivante. Cette question, finalement, de ce décalage, ce grand écart, et qu'on peut constater toujours aujourd'hui, entre les déclarations d'intention, fussent-elles intégrées dans des textes fondateurs comme la Convention sur le patrimoine culturel et immatériel de l'UNESCO ou la Convention de Faro, qui, faut le rappeler, n'est toujours pas ratifiée par la France, pour des raisons qui sont liées à la Constitution française et qui ont un rapport avec la difficulté que la culture politique française a absorbé, enfin, a intégré la question de la diversité culturelle et des communautés, assimilée très vite au communautarisme dans le vocabulaire politique courant. Et quand j'indique comme ça, de façon qui peut paraître provocatrice, la collection des menaces pour la participation, c'est juste une reprise de propos de Hugues de Varines qui a volontiers déclaré que le drame des écomusées, c'est qu'ils étaient devenus des musées. Et on l'a vu, par exemple, dans l'histoire de l'écomusée du Creusot, la manière dont la difficulté dont le projet a eu à émerger, tellement il ne rentrait pas au début des années 70 dans les cadres de définition de musée tels qu'ils étaient portés par le ministère de la Culture à ce moment-là, l'arrivée d'un nouveau concept, nouveau type de musée, puis finalement l'évolution vers une institutionnalisation ou finalement une normalisation, disons, de l'utopie écomuséale. Et en 2015, lorsque Hugues de Varines est intervenu dans les rencontres organisées par la FEMS, il a eu des propos, enfin, il a poursuivi ses propos assez sévères vis-à-vis de ce qui est devenu, de ce qui était devenu, de ce que sont devenus les écomusées. Et en même temps, voilà, cette question, l'expression qu'il avait utilisée, c'était de dire que la collection menaçait la participation dans une vision du patrimoine beaucoup plus large que le musée et sa collection. Et en même temps, finalement, il disait volontiers, il dit toujours volontiers qu'un écomusée n'est pas destiné à vivre éternellement, contrairement à la vocation du musée. Donc, pour élargir un petit peu les problématiques qui se posent au-delà de la constitution d'une collection, on peut évoquer, je reprendrai là aussi un certain nombre de questions qui ont été évoquées dans la première intervention. Donc les freins et les écueils, c'est aussi la difficulté d'atteindre les objectifs ou de,
d'arriver à traiter les enjeux qui sont au cœur de ces questions de participation. Il y a effectivement d'abord, peut-être pas d'abord, mais il y a notamment un enjeu de partage des compétences. Et quelqu'un comme Joël Lemarais, qui a beaucoup travaillé sur les questions de public et de participation, a longtemps souligné la tension qui existe entre la participation, une participation qui est motivée par des objectifs d'émancipation, la volonté de partager les savoirs, de partager la décision, et de l'autre côté, des motivations plutôt de régulation, d'organisation, avec des dispositifs techniques, d'encadrement professionnel qui mobilisent souvent toutes les énergies. Et donc, il y a vraiment cette difficulté de se demander où situer comment répartir les savoirs et les savoir-faire avec des frontières qui ne sont pas toujours évidentes à définir. Dans la théorie de l'écomusée, on a parlé tout à l'heure des agents. Dans le vocabulaire, il y a d'ailleurs une question autour de la participation qui est souvent à laquelle il faut pouvoir être très attentif, c'est celle du vocabulaire qu'on utilise pour parler de ces expériences. Et notamment la question de la différence qu'on peut faire entre la médiation et la participation. Même si aujourd'hui la médiation telle qu'elle s'est construite dans le monde des musées se veut aujourd'hui beaucoup plus dans le dialogue, beaucoup plus participative elle-même, mais avec toujours une intention pédagogique. Pour moi, la différence se fait plutôt dans le rôle qui sont assignés aux personnes. Et du coup, on commence à basculer dans la participation, donc on commence à considérer la population plutôt qu'un public, considérer la population plutôt que le public, l'acteur plutôt que le visiteur. Dans le vocabulaire des écomusées, on a souvent distingué l'acteur ou les acteurs qu'on trouve dans la population et les agents, vocabulaire utilisé, qui sont les professionnels de l'institution. Et d'ailleurs, la question qu'on a évoquée tout à l'heure des décideurs, des élus, des exécutifs, des collectivités territoriales, par exemple, ou des décideurs au niveau de l'État, toujours dans une vision peut-être un peu théorique, dans le projet de l'écomusée, il y avait cette idée de créer des comités différents, un comité scientifique pour réunir le monde, on dirait aujourd'hui académique, un comité des usagers et un comité de gestion qui aurait réuni les administrateurs, dans un sens assez large du terme. Sur la question de qui participe, je l'ai formulé de cette manière-là parce que derrière cette question, il y a toute une série de sujets qu'on peut évoquer. C'est la manière dont on va faire, enfin, à qui on s'adresse quand on propose à une population de participer. Est-ce que, par exemple, la critique qui est faite souvent à la participation, c'est de parler, en parlant des participants, des fameux TLM, c'est-à-dire toujours les mêmes. Les conseils de quartier qui ont été institués au début des années 2000, les présidents d'associations, les gens qui gravitent autour de l'institution, parfois regroupés dans une association des amis du musée. Est-ce que ce n'est pas aussi souvent Alexandre Delarge qui a présidé la FEMS et qui a été lui-même directeur de l'écomusée de Fresnes, de Bièvre, dont on parlera peut-être tout à l'heure si j'ai le temps d'en dire quelques mots, mettait en cause aussi la question aussi de savoir est-ce qu'il fallait toujours aller vers des publics éloignés de la culture, pour reprendre ces vocabulaires un peu touffés, public du champ social, à travers les partenaires que peuvent être les centres sociaux ou les structures d'éducation populaire ou les organisations d'insertion. Est-ce qu'on ne survalorise pas les participations de publics qu'on a un peu sous la main parce que finalement ils sont déjà... ce sont déjà les publics des structures sociales, ou bien survaloriser aussi les projets artistiques en travaillant avec des artistes à qui on délègue finalement la mission de participer. Et du coup, une chose qui me paraît très importante dans cette question et qui est peut-être pas assez travaillée, parce que peut-être pas assez évaluée, ça c'est une autre grande question de l'évaluation des projets participatifs, peut-être que la difficulté de les évaluer, c'est que souvent, une des caractéristiques de ces projets, c'est qu'on sait d'où on part, mais on ne sait pas forcément où on va arriver, où on veut arriver. Et donc, en fait, il est peut-être inhérent à ces projets, c'est peut-être une caractéristique du projet partagé que de se donner comme consigne de ne pas forcément tracer d'avance l'aboutissement du projet. Et donc, ça rend d'autant plus difficile l'évaluation a posteriori. Et
J'ai découvert un peu les travaux d'un sociologue qui s'appelle Julien Talpin, qui avec d'autres aussi, ont travaillé sur les motivations qui poussent des personnes qui ont pu être sollicitées à participer. Les registres de motivation personnelle, finalement, qu'est-ce qui amène dans l'autre sens, si on considère les personnes dont on voudrait qu'elles participent, dont on trouverait bien qu'elles participent, à quel titre elles le feraient? Est-ce qu'elles en ont la possibilité? Est-ce qu'elles en ont la disponibilité? Et les motivations personnelles, dans cette étude, montrer, alors ça ne concerne pas forcément les projets culturels, mais il y avait la question du devoir civique, disons l'implication citoyenne, la question de l'intérêt personnel, on participe si on y trouve à son intérêt propre, des enjeux de sociabilité, et puis l'enrichissement des connaissances. Donc, c'est intéressant de voir finalement ce qui peut amener des personnes à participer. Et du coup, la grande question pour moi qui est derrière, c'est finalement celle de la méthode et de la formation. Donc là aussi, cette question de formation a été bien, bien évoquée pour savoir finalement, est-ce que ça doit faire partie de la formation des professionnels des musées d'intégrer des questions de participation. Et donc là, moi, il me semble, moi, j'aurais envie de répondre positivement à cette question en faisant la part des choses entre ce qui peut constituer une sorte d'extension des compétences des professionnels de musée, et puis le moment où on atteint la frontière et où il faut peut-être s'adresser à d'autres personnes qui auraient plus de compétences. Là, de ce point de vue, mon expérience personnelle serait de se dire qu'on aurait intérêt à intégrer aussi, à s'intéresser un petit peu aux techniques et aux méthodes utilisées par le monde de l'éducation populaire. Et là et partout où les musées ont pu faire appel à cette manière de travailler, qui ont à voir aussi avec l'empowerment, avec la capacitation, enfin, les différentes traductions de ce mot-là, et qui permettent effectivement de s'aventurer dans des projets participatifs en étant un peu outillé, y compris en ayant essayé de répondre par avance à ces questions d'intention. Qu'est-ce qu'on attend, jusqu'où est-on prêt à aller dans cette fameuse échelle des niveaux de participation, qu'est-on prêt à partager au niveau des savoirs et des savoir-faire, jusqu'où peut-on aller dans le retour d'expérience, dans le partage des expériences et des compétences. Alors, je regarde l'heure, je pense que j'ai dépassé le temps qui m'est imparti. Non, c'est bon, on peut continuer, on a un peu de temps encore. Alors, merci. Merci beaucoup. Je sais combien, quand on est en position de modérer des tables rondes, c'est difficile de laisser parler trop longtemps les gens. Donc, je vais essayer d'être… du coup, peut-être que je ne vais pas pouvoir détailler, si on peut passer la diapo suivante. Je ne pourrais pas rentrer dans le détail de toutes ces actions. Ce serait trop long. Peut-être évoquer… Pour être un peu plus synthétique, à travers ces. J'ai rapproché l'écomusée du Val-de-Bièvre, alors qui s'appelle aujourd'hui l'écomusée du Grand Orly-Sainte-Bièvre, parce que les intercommunalités ont changé, et celui de l'écomusée du Fiermonde à Montréal, puisque les deux institutions ont beaucoup travaillé, se sont beaucoup rapprochées au milieu des années 2010, notamment autour de la question de la collecte participative, de l'inventaire participatif et du statut des collections issues des projets participatifs. Donc là, on pourra peut-être revenir sur cette question. Et puis également évoquer un projet qui avait été porté par cette institution villeurbanaise en banlieue lyonnaise, dont j'ai eu la responsabilité pendant quelques années, autour de la population ouvrière. Le RIS n'est pas un musée. À l'inverse de l'écomusée de Fresnes et du Viermonde qui ont constitué des collections, le RIS ne constitue pas de collection. Il y a un centre d'archives, mais pratique quand même des collectes et des projets partagés. Et ce qui me paraît important dans l'exemple du RIS, c'est la méthode qui a été utilisée, notamment en formant les équipes de l'institution aux techniques, aux méthodes d'éducation populaire à la manière dont on peut aller dans l'espace public à la rencontre des personnes que l'on peut rencontrer, que l'on peut trouver dans ces espaces. Je dirais que Pour,
pour peut-être me diriger vers une conclusion de cette présentation, peut-être ce qui me paraît un élément qui me paraît très important dans toutes les questions qui tournent autour des projets participatifs dans les musées, c'est que finalement, cet écart, ce fossé qu'il peut y avoir entre les déclarations d'intention, les injonctions à la participation, et puis le fait de vouloir proposer quand même quelque chose et d'avancer dans cette direction, bien, tout ça relève en fait de la démarche expérimentale et d'une démarche aussi un peu d'aventure. On l'a souligné tout à l'heure aussi, souvent c'est souvent des projets qui se font de façon très temporaire. Et pourtant, il me semble que lorsque ces projets se multiplient, quand les expériences se succèdent, l'institution acquiert des savoirs, des savoir-faire, arrive à parfois à conserver des relations de fidélité avec les personnes qui ont pu se mobiliser, et puis petit à petit construit finalement une manière de faire. Et aussi, et ça pour moi c'est une de mes plus grandes découvertes professionnelles de ces dernières années en ce qui concerne mon parcours personnel, tout cela rejaillit de façon très, très forte sur la gestion, le management, la gouvernance de l'institution elle-même. C'est-à-dire qu'en fait, tout se passe comme si l'institution ne peut pas s'aventurer dans ces projets partagés, participatifs, qui posent la question de la démocratie, qui posent la question du partage du pouvoir et de la décision. Et tout à l'heure, on évoquait, et j'ai beaucoup aimé, j'ai bien noté cette idée de rendre les conflits productifs. Effectivement, en fait, si on devait employer les grands mots, il s'agit bien de démocratie. Et la définition de la démocratie que donne Paul Ricoeur, alors c'est une définition que j'avais apprise par cœur parce qu'on l'avait apprise dans la formation qu'on avait suivie avec une structure d'éducation populaire, c'est de dire que démocratique, une société qui se reconnaît divisée, c'est-à-dire traversée par des contradictions d'intérêts et qui met en place des modalités qui permettent l'expression de ces intérêts divergents, de les concilier pour arriver à un arbitrage. Je cite approximativement cette définition. Donc, il y a bien une idée de conflit, il y a bien une question de... on peut prendre le risque de l'échec, et si on n'intègre pas effectivement ces éléments là pour avancer, on n'est pas vraiment dans la dimension participative. Et pour terminer complètement ce que je pensais évoquer ce soir, il me semble malgré tout que pour en revenir au contexte plus contemporain, plus vraiment au contexte de notre actualité, les choses ont quand même encore évolué depuis, on n'est plus aux utopies des années 60, et que s'aventurer dans ces projets participatifs en s'appuyant sur les fondements philosophiques des droits humains, universalistes, aujourd'hui, tout cela peut se heurter à des remises en cause liées à ce que l'on constate depuis quelques années, des phénomènes d'individualisme, des réseaux sociaux qui favorisent l'expression de toutes les opinions et les institutions muséales, mais aussi tous les autres lieux de compétence et de légitimité qui sont liés à des savoirs scientifiques ou des savoirs professionnels, des savoir-faire professionnels, sont en fait, à mon sens, un peu fragilisés par ce contexte. Et se trouve peut-être actuellement dans une position qui rend paradoxalement le partage de l'autorité plus délicat à proposer. Donc, autrement dit, on peut considérer qu'un certain nombre d'institutions sont un peu secouées par ces remises en cause de leur légitimité avant même de parler de projets participatifs ou partagés. Donc, comment se sentir assez fort sur ces bases, sur ces fondamentaux, et aussi avec la collectivité ou les exécutifs politiques dont on peut dépendre, les bailleurs de fonds, pour pouvoir ensuite partager et dialoguer avec les populations. Voilà, voilà un peu ce que je voulais évoquer ce soir. Merci Xavier, c'était extrêmement riche. Moi, ça m'a renvoyé à une vie antérieure, quand j'étais directrice du musée de la ville à Saint-Quentin-en-Yvelines, et où on travaillait avec la FEM. Si on avait travaillé, je me rappelle très bien, avec les neufs de Transilie, notamment avec Alexandre Delarge, et avec le musée du Fier-Monde, où on avait fait, je ne sais plus si c'était en 2013 ou quelque chose comme ça, un colloque autour de tous ces musées sans collection. À côté de ça, aujourd'hui, je vois donc le musée de la ville, il a évolué. On se rend bien compte que les politiques passant, les choix passent. Et vous disiez tout à l'heure que c'était De Varine qui disait que les écomusées doivent avoir une fin.
qu'il y a un moment où c'est une fin, et on voit bien qu'un musée comme le musée de la ville de Saint-Quentin-en-Yvelines, qui était vraiment assez avant-gardiste à une époque, est en train de basculer vers un musée du design. Voilà, donc ça c'est. Moi j'avais une question à vous poser sur l'objet, justement, parce que je pense que c'est la question de l'objet dans les écomusées ou dans les musées de société, elle est essentielle, et sur. Le participatif autour des objets. Je sais très bien qu'on fait souvent des appels aux dons, des collectes pour récupérer, notamment autour d'expositions, un certain nombre d'objets qui permettent de porter un discours participatif. Moi, ma question, c'est est-ce qu'on a déjà vu ou est-ce que demain, on est en capacité de se dire qu'on pourrait collecter de façon participative et non discriminante un certain nombre d'objets pour les rentrer en collection ? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si un musée doit être vraiment participatif, est-ce qu'on doit se dire que la collecte d'objets ne doit pas passer forcément par le discours scientifique des conservateurs ou autres décideurs de ces institutions ? Voilà, donc quelle est votre position là-dessus ? C'est un sujet qui, à mon avis, va se poser. Ah oui, complètement. Mais c'est un sujet. Qui nécessite du débat précisément, parce que voilà, on est dans le registre du patrimoine. Alors ça dépend, si on considère, si je me situe dans la perspective, dans le sillage de la pensée éco-muséale, la question de l'objet, elle se réfère vraiment à l'approche patrimoniale. Le patrimoine vu comme un processus de transmission, et l'objet, finalement, même dans une vision du patrimoine culturel immatériel, ce qui pour moi d'ailleurs, moi j'aurais tendance à penser que le patrimoine est immatériel par nature, et d'ailleurs la définition du patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO, elle intègre bien la question des artefacts et des objets comme des supports de cette transmission. Donc, de ce point de vue-là, la problématique, pour moi, elle serait de considérer le processus de désignation du patrimoine. Et pour rester, mais il y a beaucoup de structures qui ont expérimenté des approches de cette nature, mais juste pour rester sur l'exemple qu'on a cité du Fiermonde et de Fresnes, c'est un travail assez récent finalement. L'écomusée du Val-de-Bièvre a développé depuis au tournant des années 2000, en 2001, un projet de collecte participative, mais qui ne visait pas à faire rentrer les objets dans une collection, en tout cas pas immédiatement. C'était pas l'appel au peuple, entre guillemets, de la communication qui avait été faite à l'époque, ne consistait pas à dire aux gens, le musée voudrait enrichir ses collections. C'était vraiment les personnes étaient invitées à apporter des objets qu'elles considéraient comme étant importantes pour elles dans une perspective de transmission, mais sans forcément cette idée de les capter pour les intégrer dans une collection. Ensuite, il y a eu des évolutions. Certaines personnes ont fait un don spontané, mais l'institution ne les avait pas invitées à le faire. Et puis, il y a eu d'autres évolutions, et le musée du Fiermonde a développé quelque chose de cette nature. Qui a été repris, et puis la collaboration entre les deux institutions a abouti aussi à des formes de protocoles de collection écomuséale, et qui consistent à recenser des objets, mais qui ne seront pas forcément intégrés dans la collection du musée, mais en instituant des responsabilités partagées dans leur description et dans leur conservation. Je dirais que si on met l'accent sur le processus, et sur la mise en place de méthodes, de protocoles qui permettent aux personnes, mais aussi à l'institution, mais aussi à des sachants, on pourrait dire, des chercheurs, des universitaires, de regarder les objets et d'en évaluer la valeur patrimoniale. Si on organise en fait le processus, à l'arrivée, si l'objet est jugé digne d'être conservé pour être transmis, et on peut aussi négocier les rôles et à un moment donné considérer par exemple que l'institution est la mieux à même du point de vue de ses compétences et de ses savoir-faire professionnels de le conserver dans la perspective de le transmettre. Mais il me semble que là aussi, surtout dans une perspective ethnographique, les objets tout seuls n'ont pas de valeur s'ils ne sont pas accompagnés de la parole qui va autour. Et inversement, lorsqu'on fait des collectes de témoignages oraux, il n'est pas rare que les personnes qui contribuent apportent elles-mêmes des objets. Donc il y a aussi une vision un peu globale d'ensemble de récits de vie. Il y a plein de musées qui font ça et qui intègrent dans leur collection complètement, collection Musée de France, collection nationale,
des collectes qui sont de cette nature. Mais je dirais peut-être que ce qu'il faudrait pouvoir développer, c'est peut-être ces processus en prenant le temps de le faire, y compris en instituant, par exemple, des périodes pendant lesquelles les objets sont encore conservés dans leur lieu de vie, d'origine, et finalement en invitant aussi, enfin, on peut imaginer au-delà, ça répond, enfin, c'est peut-être un début de réponse à la question du permanent par rapport au temporaire, de voir ce que ça peut faire. Il y a des expériences québécoises autour du patrimoine à domicile aussi. Et donc là, on est dans une vision qui positionne l'institution autrement qu'un lieu central qui centralise, qui concentre, mais comme plutôt un rôle de catalyseur qui suscite l'action patrimoniale auprès de personnes qui ne sont plus du coup des publics destinataires, mais qui sont des citoyens acteurs et des agents. Voilà, pour reprendre ces expressions-là. Donc, je pense que cette question de l'objet dans le participatif va encore nous occuper quelques années. Parce que je pense qu'on va découvrir plein de choses et plein de nouvelles modalités. Enfin, voilà. Je ne vois plus rien. Merci beaucoup, Xavier. Je vais passer la parole à Lina Tahan ou Tahan. Je suis désolée, Lina, d'écorcher certainement votre nom. Lina a un doctorat en archéologie, en muséologie de l'Université de Cambridge en Grande-Bretagne, où elle est actuellement chercheuse. Et jusqu'à maintenant, elle était chargée de cours, jusqu'à récemment chargée de cours au département d'archéologie de l'Université libanaise. Elle est présidente du Comité international pour les dilemmes éthiques. Donc, on est très… merci de venir témoigner auprès de nous. Et elle travaille principalement à la promotion des musées dans le monde arabe. Ses recherches et son enseignement portent sur de nombreux domaines. Alors, je vais citer en vrac et pas dans l'ordre. Les questions de représentation dans les collections, les expositions et les visiteurs des musées du Moyen-Orient. L'histoire des collections et du développement des musées au Liban dans le contexte politique. La définition du patrimoine au Liban et son lien avec la formation d'identité et la création d'un sentiment d'appartenance. Et le rôle des musées dans la promotion de la compréhension dans les sociétés divisées. Autant dire que on a beaucoup de choses à apprendre. Donc Lina dit en substance que, en fait, nous avons deux catégories de musées. Si j'essaye d'être fidèle à ce qu'elle nous a dit, ceux qui donnent une voix à leur public et ceux qui veulent contrôler les discours représentés dans une exposition. Alors comment assurer la présence du public et quelles sont les initiatives et les enjeux pour que le public puisse participer à des expériences inclusives dans les musées? Pour y répondre, elle va nous parler d'un autre aspect du participatif, celui de l'éthique, qui est un challenge actuel dans les musées, et elle ira jusqu'à nous questionner sur d'éventuelles perspectives politiques et la façon d'appréhender le rapport à l'institution et au public. Donc, je laisse Lina prendre la parole avec cette dimension éthique dans les musées et dans le participatif. Lina, je vous laisse la parole. Merci beaucoup, Marie-Laure, d'avoir présenté mon sujet. Pourtant, c'est un grand sujet et à vrai dire, en réfléchissant après notre réunion, j'ai décidé plutôt de centrer sur un projet très important que ICFX avec COMCOL, deux comités internationaux au sein de l'ICOM, ont travaillé dessus parce que c'est un projet très important et qui a fait participer beaucoup de monde. Et donc, bien que ce n'est pas moi qui ai travaillé sur ce projet, mais j'aimerais bien vous le présenter en vous donnant des idées peut-être aux autres chercheurs ou muséologues qui sont parmi nous. Et je remercie ICOM France d'avoir m'invité en tant que présidente d'ICFX pour être parmi vous ce soir et vous présenter ce projet. Donc, est-ce que vous pouvez voir bien mes diapos pour que je puisse les partager? Alors, non, avec on vous voit votre bureau, mais pas votre diapo. Ah, maintenant, c'est bon? Non, c'est toujours pas bon. Essayez de l'arrêter, de le relancer, et vous pouvez choisir votre fenêtre normalement. Ok, je vais essayer de l'arrêter pour voir. Et maintenant, c'est bon?
Au moment de choisir, vous pouvez choisir entre diapo, bureau. Oui, c'est ce que j'ai fait, mais est-ce que vous voyez ou pas vraiment? Pas encore. Alors, j'essaye de partager mon écran. Donc, je vais refaire. Donc, je partage mon écran avec ma diapo. Est-ce que vous pouvez les voir maintenant? C'est bon, oui. C'est bon. Ça marche. Vous pouvez passer en diapo. Et maintenant, c'est bon? Voilà la première. Très bien. Alors, le but de ma présentation est vraiment d'exhorter les professionnels du musée à repenser à la participation du public et quelle richesse celle-ci peut offrir au musée. Malheureusement, comme j'ai dit, à travers notre monde, nous avons deux catégories de musées, ceux qui donnent une voix à leur public et ceux qui veulent contrôler les discours représentés à travers une exposition muséale. C'est-à-dire, par exemple, les musées au Moyen-Orient n'ont pas vraiment cette possibilité de faire participer leur public. C'est toujours les décisions, comme on dit Émilie avant moi, c'est toujours la décision toujours aux conservateurs qui disent toujours non, non, non. Et il y a d'autres musées, comme on voit les musées en Europe, qui donnent la parole à leurs visiteurs afin de participer et d'être des agents actifs. Au fait, ceci fait partie de notre devoir éthique d'être responsable envers nos publics. Et en tant que chercheur, je me suis toujours posé les questions suivantes. Comment assurer la présence de ce public et quelles sont les initiatives et les enjeux pour que ce public puisse participer à cette expérience inclusive? Donc, ce soir, j'ai choisi... Je n'arrive pas à... Oui, voilà. Ce soir, j'ai choisi vraiment de vous parler d'un projet qu'ASI Apex avec Comcall a conçu sur l'importance de l'implication de ce public dans les décisions muséales sur les collections contemporaines durant la pandémie de la COVID. Au fait, si j'ai vraiment choisi ce sujet, c'est parce que vraiment tout au cours de nos récentes crises sanitaires, sociales et économiques, et autres crises concomitantes qu'on traverse dans notre monde, il y a beaucoup d'organismes comme les musées et beaucoup d'organismes de collecte, par exemple les archives et les universités, qui ont été confrontés à ces défis éthiques et les poussant vraiment à réexaminer, à changer de fonction la manière dont ils fonctionnent. Donc, dès le début de cette crise, de nombreuses institutions ont développé des projets pour la collecte et l'enregistrement de cette situation extraordinaire qu'on a traversée. Cependant, cette collecte contemporaine d'objets a été confrontée à beaucoup d'anciens et de nouveaux défis éthiques, tels que par exemple la transparence, la collecte du matériel traumatique, la protestation, le consentement éclairé sur les droits d'auteur, la durabilité environnementale, le respect et la dignité humaine, l'urgence et la minimisation des dommages et surtout la représentation de ces groupes historiquement marginalisés et le plus durement touchés par cette pandémie. Donc, les points que je voudrais discuter ce soir, c'est quoi ce projet et qui étaient les partenaires impliqués, les objectifs, les leçons et les défis qu'on avait appris durant ce projet et comment ce projet a répondu à la crise sanitaire et comment il peut être adapté à d'autres scénarios ou reproduit par d'autres comités de l'ICOM. Donc, je vous présente le logo de ce projet, Collecting with Care, Ethics in Museum Work, la traduction collectionner avec soin, l'éthique dans le travail muséal. Et malheureusement, je ne peux pas mettre des photos vu les droits d'auteur parce que toutes les informations qui sont publiées sur le site de ICFX et de Comcall sont vraiment des vidéos YouTube. Donc, il y a des heures et des heures de webinaires que vous pouvez écouter et voir dans lesquelles chaque participant présente ses photos. Mais je n'ai pas les droits d'auteur et accès sur ces photos, malheureusement. Donc, le projet, les principaux acteurs de ce projet étaient Comcall et ICFX. Et ce projet, il a été financé par l'IPOM.
C'était un projet vraiment innovant et qui a regroupé 7 musées, le TACO Network pour la gestion des collections et la documentation contemporaine en Finlande, le musée Casa de la Memoria, le musée District 6, le musée Mio, Illinois State Museum, le National Museum of Australia, le National Australian Museum et un consortium d'institutions de Taïwan. Le projet comportait 2 phases. La première, tout d'abord, consistait à mener une enquête via des questionnaires sur les défis auxquels ces institutions ont été confrontées pendant la pandémie ou les événements traumatisants similaires dans le passé. Et ensuite, l'organisation d'une série de webinaires qui engageraient les participants dans des discussions plus approfondies sur leurs expériences et besoins. Dans les plans initiaux, nous avions espéré pouvoir culminer cet effort avec la création d'un site web spécial où toutes les ressources auraient été collectées. Mais ceci n'a malheureusement pas été possible pendant la période actuelle, mais nous continuerons à faire un effort à cette fin. Donc, les principaux objectifs de ce projet étaient de réunir des professionnels des musées de différentes institutions du monde entier et de les faire participer à une réflexion critique et à la discussion autour de ces sujets. Donc, créant ainsi une communauté ou un réseau de pratiques et de soutien, tout en engageant un dialogue à l'échelle mondiale sur l'éthique de la collection. Donc, comment collectionner, comment arriver à là. Donc, le but tout d'abord, c'était d'initier un dialogue international sur la collecte pendant la pandémie et les crises concomitantes. Deuxièmement, identifier et discuter de manière critique et ouverte ces décisions éthiques qui doivent être réalisées lors de ce type de projet. Et troisièmement, c'était créer un ressource et un référentiel en ligne pour que les musées puissent l'utiliser pour développer leur programme de collection contemporaine dans un esprit éthique. Et quatrièmement, contribuer au développement des ressources de formation pour les programmes axés sur cette éthique de la collection contemporaine. J'aimerais bien juste vous citer un exemple, bien que je n'ai pas accès aux photos, comme je vous ai dit, mais vous pouvez tous les voir sur le TACO Network, sur le YouTube vidéo, le TACO Network qui est sur notre site web et ainsi que sur le site de Comcall. Et juste pour vous donner cet exemple, le TACO Network en Finlande avait décidé de commencer vraiment dès le début du confinement à interviewer les policiers des frontières sur la frontière de Uusimaa. Et ils ont commencé à collecter des témoignages et tous les défis que ces policiers relevaient parce qu'il y avait les frontières qui étaient fermées. Deuxièmement, ils ont décidé de prendre le projet à travailler dans l'hôpital chirurgical, ce qui était une initiative vraiment très, très forte parce qu'il y avait aussi un grand risque pour eux d'y aller et de faire ce travail de terrain. Donc, ils ont interviewé des chirurgiens, des infirmiers. Donc, la collecte n'était pas seulement juste des entretiens, mais aussi de collectionner des masques, des visières, des gants, tout ce que vous pouvez, tout ce qui avait en rapport avec la pandémie. Et que c'était vraiment un projet qu'ils ont, qui a attiré vraiment mon attention en regardant un peu les autres projets, parce que c'était un projet très contraignant pour eux et très prenant, mais ils ont réussi à affronter ces défis et à vraiment documenter cette pandémie, quelque chose qui est très, très important. Et les leçons qu'on avait apprises lors de ce projet, c'était que c'était un projet très ambitieux et très vaste, mais c'était aussi une expérience d'apprentissage pour tous les participants ainsi que les conservateurs ou les directeurs du musée qui ont participé. Le défi, c'était que c'était différents musées dans différents fuseaux horaires, sous différents régimes juridiques et financiers, et ça a rendu l'organisation de ces activités beaucoup plus compliquée qu'on ne le pensait initialement. Comment ce projet a répondu à cette crise sanitaire? Il a répondu en rapportant 2 éléments importants. Tout d'abord, en fournissant des idées pratiques pour d'autres institutions sur les collectes et surtout collectées dans et pour la pandémie. Et deuxièmement, il a offert un espace collégial pour partager sur les préoccupations et réfléchir à ces pratiques, soutenant ainsi le bien-être des professionnels de musée. Le nom court de ce projet, collectionner avec soin, repose sur un double sens. Tout d'abord, collectionner éthiquement dans la pratique
mais aussi se préoccuper et donner de la considération pour les professionnels des musées qui ont dû se rendre sur le terrain et collecter pour leurs institutions pendant une période très difficile, pour la société dans son ensemble, mais aussi eux-mêmes en tant qu'individus et membres de la communauté. Comment ce projet peut être adapté ou reproduit par d'autres comités de l'ICOM, et je dirais même par d'autres musées, si on a si on sera confronté à d'autres pandémies, à d'autres crises? Tout d'abord, créer des réseaux et établir des relations et impliquer autant de professionnels que possible dans les débats actuels ont été les principaux objectifs de ce projet. Ce sont des objectifs qui peuvent être adoptés pour tout projet, que n'importe quel comité de l'ICOM organise. Et les réseaux que nous avons créés à travers ce projet sont des réseaux prêts à être utilisés pour la diffusion d'autres projets et idées. En ce qui concerne les méthodologies que nous avons utilisées, c'est-à-dire l'enquête sur le terrain et les webinaires, ce sont des méthodes qui ont été largement utilisées pendant la pandémie jusqu'à nos jours. Et je vous donne un peu une idée des YouTube vidéos que vous pouvez voir pour plus consulter. Et je tiens à dire que nous sommes un comité qui veut faire participer les membres de l'ICOM, quel que soit le pays, à parler et à venir nous parler de tout problème déontologique que vous avez. Et même, on vous donne la parole à présenter par des webinaires ou par les meeting rooms qu'on organise, à présenter vos soucis et vos débats que vous voulez nous parler. Et je vous remercie. Merci beaucoup, Lina, de nous avoir raconté ce projet qui, en fait, nous touche tous, parce que on a tous vécu cette pandémie. Moi, j'aurais trois petites questions. D'abord, est-ce qu'il y a eu des institutions qui ont été réticentes à participer à ce projet? Vous étiez quand même un certain nombre d'institutions. Est-ce qu'il y en a qui ont décliné le projet, ou tout le monde a été enthousiaste? Pour les institutions qui ont été invitées, personne n'a décliné, parce qu'au fait, ce projet, il a été soumis à l'ICOM pour être choisi. Donc, c'était à l'initiative de Comcol, donc Alexandra Bounia, qui est chercheur en Grèce, et deux des membres de bureau qui sont avec nous, qui ont travaillé, ainsi que notre ancienne présidente, Catherine Pabst, parce qu'elle avait la main dessus. Mais ça a été sélectionné, comme vous voyez, les musées qui voulaient participer ont été vraiment sélectionnés. Et si on allait ouvrir, par exemple, les portes à la France ou à l'Angleterre, je pense que le projet aurait été beaucoup plus ambitieux et aurait pris plus de temps. Mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas un projet qui peut être répliqué ou fait. C'était un grand challenge, je pense, pour ces gens. Tout d'abord, pour les enquêtes, pour collecter tout ce qui est data, comment on dit, les données de cette enquête, et pour pouvoir ouvrir. Mais à travers les webinaires que vous pouvez voir, c'était vraiment des webinaires très, très bien faits qu'on a publiés sur les deux sites, parce que c'était très important de savoir chaque pays et comment chaque exemple a été confronté à différents défis et comment eux, ils voulaient collectionner et qu'est-ce qu'ils voulaient collectionner au juste. Maintenant, l'exemple de la Finlande m'a attiré beaucoup mon attention, parce que c'était vraiment un travail de terrain où il y a eu, ils ont travaillé avec les frontline workers, comment je peux dire ça, les médecins, les ambulanciers, les infirmières. Et il y a eu, par exemple, des choses éthiques quand les médecins et les infirmiers ne voulaient pas que les conservateurs disent des choses, parce que ça relevait des choses éthiques du patient. Donc, c'était un non. Mais ils ont vraiment respecté la manière dont ils ont travaillé avec leurs participants. Et c'est vrai qu'ils ont donné la parole à ces gens de dire vraiment ce qui se passe sur le terrain. Et ça, c'était quelque chose de très important. C'est pour cela que je voulais vous présenter ce projet, que ce que nous ne faisons dans IC Ethics et quel genre de projet nous soutenons. Et c'est vrai que c'est très important de participer. Et je dis ça très, très, c'est très important, parce que dans beaucoup de pays,
on n'a pas la parole vraiment de dire ce qui se passe ou de laisser les visiteurs dire « Ah voilà, si on peut faire telle exposition, ça sera bien. » Si on peut faire, mais on est toujours contrôlé politiquement, malheureusement. Vous savez très bien comment les discours sont. Et même, je sais très bien qu'on a eu beaucoup de collègues qui ont été confrontés à, ils ont perdu leur emploi parce qu'ils ne sont pas, parce que les personnes, le personnel politique ou les hommes politiques de leur pays ne sont pas d'accord avec leur point de vue. J'ai pas voulu présenter ça aujourd'hui parce que c'est tout un autre discours, mais je tiens à juste mettre le point qu'il y a beaucoup de défis dans nos musées et pas tous les musées sont ouverts pour ouvrir cette idée. Et surtout durant la pandémie nous a montré beaucoup de choses. Il y a des gens qui ont perdu leur emploi quand le musée n'a pas pu ouvrir, mais en même temps, ça nous a ouvert les yeux en tant que professionnels de musée et chercheurs. Deux autres petites questions. Quel sujet vous imagineriez pour aujourd'hui, si on devait choisir un nouveau sujet? Alors, la COVID-19, c'était un sujet qui intéressait tout le monde, mais est-ce que vous imaginez d'autres sujets sur lesquels ce type de projet pourrait s'appliquer? Pour un autre projet de solidarité, vu le nom, ouais. Ou pour comment utiliser ce projet pour inciter les participants à participer. Enfin, il y a les deux. Oui, il y a les deux. Il y a les deux. Donc, tout d'abord, on a appris des leçons. On a appris vraiment une très, très grande leçon que intégrer nos musées dans l'histoire contemporaine et de ce qui se passe de nos jours était quelque chose de très important. Maintenant, je pense que, vu mes deux, Xavier et Émilie, ont tous les deux parlé de l'importance de la participation dans les musées, les écomusées, j'aimerais bien citer que Georges-Henri Rivière était vraiment un magicien des vitrines, et il était vraiment innovateur pour son temps. Donc, comment peut-on être innovateur et faire intégrer ses visiteurs de tous les jours? Mais tout dépend du musée. Quel genre de musée? Par exemple, peut-être les musées d'art, ils peuvent plus intégrer leurs participants. Un musée d'archéologie, c'est un peu difficile. Mais on peut apprendre aussi. On peut faire un travail de terrain en faisant des enquêtes, ce qui est très important. Mais on a aussi le problème des ressources et pas tous les musées sont riches pour faire ça. Donc, est-ce qu'on peut demander à l'ICOM un fonds et un autre projet de solidarité pour travailler sur d'autres pays? Oui, bien sûr, je pense que ça pourrait être répliqué, les méthodes, les enquêtes, les webinaires présentés, encourager nos musées à vraiment y aller de devant et à faire quelque chose de nouveau, c'est possible, ça c'est sûr. Mais comment faire participer les personnes, ça c'est un travail qu'il faut faire beaucoup parce qu'on le voit déjà, on le voit avec nos enfants. On voit donc à l'école comment on fait les choses. Je suis désolée de dire, mais j'ai un enfant à l'école, j'essaye toujours de l'accompagner pour voir comment les profs essayent de faire les enfants participer dans le musée. Et c'est toujours parfois une catastrophe parce qu'il n'y a pas derrière le travail. On a tous connu ça. Voilà, donc ça c'est très important. Et si on veut vraiment inciter que nos participants, donc nos enfants qui sont les futurs, la future génération, il faut vraiment inciter ce travail qui se fait à l'école, puis après à l'université, pour qu'on ouvre nos musées aux autres. Pas juste visiter pour visiter. Mais ça, c'est vraiment, et les chercheurs essayent de faire ça. Je pense des gens comme Émilie, moi, je travaille plutôt sur les autres sujets et autres questions, les identités. Mais il y a beaucoup de chercheurs qui incitent et on a à apprendre parce que les chercheurs en muséologie ont aussi une voix à apporter. C'est des chercheurs. C'est pas comme les gens qui travaillent dans le musée qui sont plus confortés à des défis où ils ont les mains liées, ils n'ont pas le droit vraiment de dire des choses. Alors que nous, qui sont assis à l'arrière de la chaise, on a le droit vraiment de dire et de parler ce que notre voix, elle peut dire. Si je peux me permettre, parce que moi, je ne suis pas conservateur, je suis chercheur.
Et alors, pour clore, juste en un mot, une petite, juste une question, enfin, même en un chiffre, on va dire. Si vous deviez, enfin, je ne suis pas sûre qu'on aura tous le temps de regarder tous ces webinaires, lequel vous nous conseilleriez? Moi, je pense, si vous voulez, un webinaire tout court, c'est celui de TACO. Le TACO Network, c'est 1h30, parce que celui de l'Australie, c'était vraiment 6h. Ben, moi, je n'ai pas... D'accord, donc on va aller voir le numéro 7. Voilà. Donc, essayez de voir celui-là parce qu'il ramène vraiment, et ils ont commencé, eux, avant notre projet, avant d'avoir l'argent pour ce projet, eux, ils ont pris l'initiative de collecter. Donc, déjà, l'idée était très innovante de leur part, déjà, de faire ça et de documenter une période de l'histoire qui est très importante pour qu'il n'y ait pas une amnésie. Parce qu'on le voit, même durant le temps des guerres, quand on essaye de documenter, il y a beaucoup de pays où il y a une amnésie. On le sait, ça, déjà. Okay, merci beaucoup, Lina. On va se donner un petit quart d'heure, petit, mais quart d'heure quand même, pour discuter, pour échanger. Puis à un moment, je dirai stop. Et puis, on recommencera à la fin, parce qu'il nous restera un petit peu de temps à la fin, j'espère. Voilà. Donc, s'il a des questions, levez la main pour qu'on puisse éventuellement les prendre. On a quelques questions sur le chat. Je voulais peut-être revenir sur les remarques que Pierre Pénicaud a faites, parce que vous n'êtes pas sans savoir, effectivement, que l'inspection des patrimoines a mené en 2021-2022, je lis le message que Pierre a écrit dans le chat, une grande étude sur la participation des citoyens aux politiques des patrimoines. Donc, vous avez dans le chat, je vois Pierre, je ne sais pas si Pierre, vous voulez en dire un tout petit mot. Il y a l'adresse et il rajoute qu'à la suite, il y a eu remise d'un guide juridique sur le sujet qui peut être aussi très, très, très utile pour tous les projets que nous sommes amenés à conduire. Pierre, vous voulez prendre la parole ? Oui, ben écoutez, je vous laisse lire le rapport, comme ça vous aurez toutes les informations du rapport. On va mettre le micro, Pierre. Il est là. Qui couvrait l'ensemble des patrimoines. Hein. Donc, c'était vraiment une vision transversale, que ce soit dans le monde des archives, des bibliothèques un petit peu, des monuments historiques, de l'archéologie, avec des problématiques un petit peu différentes dans chaque champ du patrimoine. Mais ce que je voulais vous dire aussi, j'en profite tant que j'ai la parole, mais j'avais prévenu Émilie, c'est que dans la suite de ce rapport, de cette étude, on a mené à peu près 250 entretiens avec certains d'entre vous d'ailleurs, donc on a écrit ce rapport, on a organisé un colloque aussi au début de l'année 2022, qui était mi-visio, mi-présentiel avec encore la fin de la période Covid, hein, c'était toujours un peu compliqué. Et puis, donc on a édité ce guide juridique sur la participation et le bénévolat dans les structures patrimoniales, parce que c'était quelque chose qui était ressorti de beaucoup des entretiens, c'est comment accueillir les bénévoles et comment accueillir les participants. Ce n'est pas tout à fait la même chose, hein, on le distingue un petit peu dans notre rapport. Et on va continuer en fait l'aventure par un appel à contribution pour un numéro spécial d'In Situ que vous connaissez, je pense, les uns et les autres, donc il y a la revue de la Direction générale des patrimoines au ministère de la Culture. Donc, il n'est pas encore prêt, il est écrit, il est traduit en anglais d'ailleurs, donc je demanderai à Émilie et puis à Juliette, que je vois aussi, parce que ce serait bien qu'il y ait des participants, des contributions d'autres pays que la France sur ce sujet. Donc, je vous enverrai l'appel à contribution, Émilie et Juliette, pour que vous le distribuiez dans les réseaux. Voilà. Merci Pierre. Comptez sur nous. Pardon. Larsen. Voilà. On comptait sur nous. On diffusera l'information. Il y avait une question aussi concernant Lina, le projet que vous avez mené avec Comcol. Les collections de chaque musée sont-elles ensuite partagées ou sont-elles restées dans le pays de la collecte? Alors non, je ne pense pas qu'ils sont partagés. Déjà, moi, j'ai eu du mal. Tout d'abord, je dois dire qu'ils voulaient traduire le projet en plusieurs langues, surtout les trois langues de l'ICOM, français et espagnol. Je n'ai pas pu trouver rien en français, rien en espagnol. Même l'enquête, je voulais juste vous la montrer. Elle n'est plus sur le site, malheureusement, donc je n'ai pas la main dessus. J'ai demandé à Alexandra Bonia de m'envoyer l'enquête, mais je n'ai pas eu de mots.
Je pense que chaque musée a collecté ses propres objets. Ils sont restés dans leur musée. Est-ce qu'ils ont été présentés? Qu'est-ce qu'il y a eu après? Je ne sais pas. Il va falloir contacter chaque musée pour voir où on en est. Mais je sais que le but, c'était vraiment de faire ces webinaires juste pour montrer comment chaque pays a vraiment géré cette collecte et ce travail de terrain et qu'est-ce qu'ils ont fait. Et plutôt, je pense que la collecte, elle n'a pas été plus de collecte d'objets, autant qu'elle a été une collecte d'enregistrer ce qui s'est passé, donc d'entretenir, que ce soit les policiers des frontières, les médecins qui ont travaillé durant cette période, les infirmières. Mais plus que ça, je n'ai pas accès à ça et je ne sais pas si l'ICOM, en tant qu'ICOM, va vraiment publier ça dans un livre ou quelque chose, parce que je trouve que c'est dommage qu'on pourra pas faire ça et avoir plus d'informations pour les chercheurs qui veulent savoir plus sur ce projet, parce que c'était vraiment un projet innovant qui n'a jamais été fait et j'ai souhaité vraiment vous en parler parce qu'on n'en parle pas trop à l'ICOM et j'ai vu que cette plateforme, comme vous nous avez donné la parole, c'était vraiment d'inciter ce genre de participation et comment on peut faire pour ouvrir cette vision. Voilà. J'espère pour la personne qui m'a posé cette question que tout ce que j'ai mis sur le site, on m'a d'ailleurs redemandé, quelqu'un m'a demandé dans le chat si c'est permis de partager encore une fois la dernière diapo des YouTube vidéos, donc je vais essayer de le faire maintenant. On l'avait fait, Lina, pendant les questions de Marie-Laure. D'accord. Et pour continuer, si le sujet de la collecte des traces du Covid intéresse, c'est le moment pub, dans la publication du cycle Solidarité qu'ICOM France avait mené, Musée de quoi parle-t-on, la séance 8, alors je ne sais pas si vous allez voir, mais je vais vous lire, était dédiée à recueillir les traces du Covid-19, comment les musées témoigneront-ils de cette page d'histoire mondiale. C'était une séance qui avait eu lieu en juin 2021. Lina, si ça vous intéresse, on vous en remettra des exemplaires, et c'est en ligne de toute façon. Je regarde si je vois d'autres questions dans le chat. J'ai des remarques de Corinne Lefebvre sur la formation des enseignants, la sensibilisation aux musées dans les écoles et son importance. Une autre de Christina Linson-Meyer sur l'importance de la recherche au musée et le fait que ce terme est réapparu dans la nouvelle définition du musée. Et c'est vrai qu'on peut s'en féliciter. Florent Moll nous informe que l'appel à communication dont Pierre parlait semble déjà en ligne avec voilà les informations breaking news sur cet appel à contribution. Je vois une autre question. Avez-vous abordé la méthodologie du design thinking de plus en plus proposée dans les appels d'offres des musées et sites culturels? Alors j'avoue tout ignorer de cette méthodologie, donc si quelqu'un veut en parler. Et... Alors, moi, je n'ignore pas du tout parce que je la pratique très souvent au musée. Donc, pour l'instant, on n'a pas abordé la méthode dans ce... Est-ce qu'il y a des gens qui l'ont pratiqué dans le participatif? Moi, je pratique le design thinking très souvent avec mes équipes, mais pas dans le modèle participatif. Est-ce qu'il y a des expériences de design thinking ou est-ce qu'on... On s'amuse à trouver quelqu'un qui nous fera un témoignage une fois. Alors, est-ce que vous m'entendez? Yenaëlle? Oui, bonjour. Moi, je veux bien témoigner. Alors, je suis plus, ça sera plus un témoignage depuis, non pas le point de vue de l'institution, mais du consultant. Parce qu'effectivement, je trouve que ça arrive de plus en plus souvent dans les appels d'offres, c'est moi qui ai posé la question, qu'on nous propose en fait de mettre en place cette méthode dès lors qu'on cherche à rediscuter de l'identité globale de l'institution. De son identité de marque, ou alors parler éventuellement parfois du PSC, de retravailler sur le PSC ou de construire le PSC, ou même parfois de retravailler même la programmation, de réenvisager la programmation. Donc, on est vraiment dans une logique de co-construction avec les publics, de réflexion, à la fois sur de la recherche d'idées et sur de la mise en place d'une méthode pour vraiment impliquer finalement les publics dans la co-conception de l'identité ou du programme. Donc, je ne sais pas s'il y a parmi vous
des gens qui seraient plutôt côté institution muséale et qui auraient déjà mis en pratique ce genre de choses en interne. Moi, je peux en parler qu'en tant que consultante, mais je sais que ça se développe de plus en plus. Gwenaëlle, pardon, je vais juste vous demander si vous pouvez préciser votre nom parce qu'on l'a pas sur le... Voilà, et on en a juste oui, besoin pour l'enregistrement. Oui, bien sûr. Gwenaëlle de Quéret, je suis sémiologue, spécialisée en études de public. Voilà, et je travaille pour une agence qui s'appelle Sémiotips. Et donc, j'ai travaillé récemment, par exemple, pour l'abbaye de Fontevraud, pour les musées de la ville de Strasbourg, pour la cité de l'architecture, justement, sur des... En fait, on est à mi-chemin entre de l'étude de public et du travail, enfin, et du travail vraiment avec les publics. Donc, c'est dans le cadre de focus group créatif, par exemple, qu'on fait complètement intervenir les publics pour travailler là-dessus. Le musée de la Marine aussi, il y a quelques années, on avait travaillé ensemble sur la problématique du schéma directeur du nouveau parcours d'exposition. Donc voilà, c'est une méthode qui est utilisée de plus en plus sur différents thèmes, en fait, en lien soit avec la conservation, avec le programme global, le PSC, soit avec la communication, soit même avec le parcours d'exposition, enfin, l'expérience concrète de visite. Je pense qu'en fait, dans pas mal de musées, d'éco-musées, le travail sur des focus group avec des groupes qui sont identifiés, s'apparente au design thinking, en tout cas dans la façon dans les objectifs à atteindre, pas forcément dans la méthodologie, parce que c'est des méthodologies qui sont très cabinet de conseil. Enfin, de toute façon, on avait travaillé ensemble déjà avec Guénal au musée de la Marine, quand j'étais au musée de la Marine. Mais oui. Je pense qu'on travaille pas mal sur des focus groupes pour essayer de faire émerger un certain nombre de choses, mais pas dans cette méthodologie spécifique. Ok. On va peut-être passer à la deuxième partie, si ça vous va. Donc, la première intervenante de cette deuxième partie sera Annabelle Ténèze. Donc, Annabelle est conservatrice en chef. Elle dirige aujourd'hui les abattoirs, qui est un musée, le FRAC Occitanie, donc depuis 2016. C'est une ancienne élève de l'École nationale des chartes et de l'INP. Et elle a été, avant de prendre la direction générale des abattoirs, conservatrice responsable du cabinet d'art graphique du musée Picasso à Paris, de 2006 à 2012. Et ensuite, elle a pris la direction du musée d'art contemporain de la Haute-Vienne, le château de Rochechouart, de 2012 à 2016. Et après, elle est arrivée au FRAC et aux abattoirs. Parmi ses recherches, elle s'intéresse à ce qui définit les scènes historiques et actuelles, et aux raisons des invisibilités et des visibilités. Et elle a ainsi co-organisé des expositions collectives avec des artistes. Désolée, c'est mon fils qui m'appelle. Désolée. Des expositions collectives avec des artistes, avec des femmes, peindre, dit-elle, ou avec des femmes africaines aussi. Donc, la première, c'était plutôt des peintres françaises, avec des peintres africaines, Lyris de Lucie. Et en tant que FRAC et aux abattoirs, elle travaille aussi bien avec des acteurs internationaux que de proximité, avec lesquels elle a essayé de développer de nouvelles relations avec ses publics. Elle va nous dire comment elle y est arrivée, en s'appuyant sur la co-construction. Et c'est ces projets participatifs dont elle va nous parler. Donc, elle a travaillé sur une galerie des publics avec la restitution d'ateliers de pratique amateur, sur un certain nombre d'expositions en Occitanie et sur une exposition qui s'appelle « À vous de choisir » en 2022. Je pense qu'elle va nous en parler. Voilà, donc en fait, il y a 2 ans, aux abattoirs, elle a sollicité le public pour qu'il puisse choisir des œuvres. Alors, c'est quelque chose dont on entend souvent parler, hein. Comment est-ce qu'on demande au public de choisir des œuvres dans les musées de Beaux-Arts, et ça a généré beaucoup d'interrogations dans les équipes du musée. Faut-il présélectionner les œuvres? Faut-il orienter les choix? Quelles sont les limites qu'on donne au public? Et Annabelle va nous raconter la genèse de ce projet, de cette aventure, et les enseignements, je crois, extrêmement positifs qu'elle et son équipe en ont tirés. Donc voilà, je laisse la parole à Annabelle. Bonjour, merci à tous. Merci Marie-Laure pour cette présentation. Merci à l'ICOM pour m'avoir invité à présenter ces projets. Je vais peut-être repartir de pourquoi est-ce que la participation est quelque chose de primordial aux abattoirs, justement du fait de la double identité FRAC et musée.
C'est-à-dire que je pars de là parce que je ne pense pas qu'on aurait... Je pense que c'est aussi ce point de départ-là qui nous a amené à l'exposition « À vous de choisir ». Et d'ailleurs, dans les exemples que je vais vous présenter aujourd'hui, je vais vous présenter évidemment « À vous de choisir » l'exposition participative, mais aussi d'autres, deux autres exemples. Un qui est justement comment est-ce que les activités de FRAC et en région aussi sont à la base de la participation du public aux abattoirs, même antérieurement à l'exposition participative. Et aussi un troisième exemple, qui est un exemple plus récent, c'est comment aussi certains artistes, puisque nous sommes un lieu d'art contemporain, nous embarquent aussi également dans leur projet de participation. C'est-à-dire que d'une certaine manière, c'est trois manières différentes de travailler la participation. Et donc, je reviens sur les derniers points que vous soulignez sur les abattoirs. Donc, les abattoirs sont ouverts en 2000 en étant... à la fois un musée d'art moderne et contemporain et un FRAC, donc un fonds régional d'art contemporain sur la partie Occitanie, à l'époque Midi-Pyrénées, aujourd'hui partie Occitanie-Ouest. Et en fait, dans la conception des abattoirs, il y a donc à la base déjà plusieurs éléments de participation qui sont le fait que les abattoirs ont de manière assez étonnante à peu près le même nombre de visiteurs, environ 150 000 ces dernières années sur le site, mais environ 150 000 personnes touchées par les activités hors les murs, c'est-à-dire dans l'ensemble de la région. Ce qui signifie que c'est une institution qui travaille à faire venir le public dans les abattoirs et à l'accompagner dans les abattoirs, mais également à amener les originaux et les expositions et donc une discussion autour des œuvres également dans des lieux qui peuvent être des lieux et même parfois prioritairement non artistiques. Et ça, c'est aussi une base. Et donc, quand on va dans ces lieux non artistiques, il y a une mise en avant très forte par l'équipe qui s'occupe de la diffusion en région, de la co-construction avec les partenaires. Puisqu'évidemment, ils ne vont pas travailler de la même manière lorsqu'ils amènent des expositions dans les établissements scolaires, où c'est travailler par appel à projet avec des professeurs en lien avec les les projets pédagogiques. Lorsque l'on va monter une exposition dans un EHPAD, dans un aéroport, dans une bibliothèque, dans un centre culturel et social, qui sont autant de types de partenaires avec lesquels l'équipe des abattoirs travaille. Et également, nous avons donc, comme vous l'avez souligné, originellement une galerie des publics depuis l'origine, qui est en fait une galerie des publics qui sert également à la restitution des projets qui sont réalisés avec des associations, avec dans le cadre d'aller-retour d'ateliers délocalisés avec certains centres culturels, avec des publics empêchés, donc en fait, qui sont à la base autant d'espaces de manières de faire de co-construction. Et je dis ça aussi puisque, en fait, l'exposition « À vous de choisir », l'exposition participative, donc peut-être qu'on peut passer la slide suivante, elle est venue aussi d'une réflexion qui était au moment des 20 ans des abattoirs. Qu'est-ce qui définit les abattoirs? Alors, autant dire qu'on n'a pas vraiment fêté nos 20 ans comme on l'avait imaginé, puisque les 20 ans des abattoirs, c'était censé être en juin 2020. Donc, évidemment, c'était pas le meilleur moment pour faire cette fête, mais l'idée, c'était qu'on avait invité 20 partenaires en hors les murs à choisir des œuvres dans la collection dans un certain qui auraient lieu dans un certain nombre d'expositions. Malheureusement, que deux ont pu avoir lieu, et aussi l'exposition. Et l'idée était de se dire comment cela se fait-il qu'on a cette co-construction dans la galerie des publics, qui est un espace dédié, qu'on a cette pratique de co-construction et d'accompagnement très fort des partenaires lorsqu'on fait du hors les murs, avec cette idée que dans le hors des murs, il y a une très forte pédagogie sur qu'est-ce que c'est que la collection, qu'est-ce qu'on peut emmener dans l'exposition, qu'est-ce qu'on ne pourra pas emmener, etc. Comment est-ce qu'on choisit un thème qui fait sens pour l'endroit, le territoire, le public. Et qu'à un moment, je me suis dit, mais en fait, on a toutes ces pratiques de construction, mais on ne les a pas faites à l'intérieur même des murs du musée. Donc, c'était l'idée que si cette manière de co-construire en faisait partie, alors il fallait aussi, pour cet anniversaire, l'amener au sein du musée.
Alors, bien évidemment, donc c'est pour ça que cette exposition a eu lieu finalement 2 ans plus tard. Mais d'une certaine manière, avoir l'idée de l'exposition participative, ça a été bien plus rapide que de se dire comment est-ce qu'on a abouti à une démarche participative. C'est-à-dire qu'au départ, il y avait une personne de chaque service d'abattoir qui habituellement travaille sur les expositions, qui était dans ce groupe de travail, où on s'est dit, mais comment est-ce que, à partir d'une collection d'une collection de plusieurs milliers d'œuvres, on accompagne le public pour choisir? Et donc, à partir de ce moment-là, c'est posé tout un nombre de questions, et il y a eu un moment aussi un peu déclic provocateur de la responsable du service des publics qui nous a fait remarquer quand même, ce qui va être très difficile, c'est que dans notre collection qui date des années 50 jusqu'à aujourd'hui, la majorité des gens se souviennent que nous avons un vieux monsieur qui peint en noir et une dame japonaise qui fait des ronds. Et quand elle a dit ça, c'était un assez fort déclic de se dire, nous, comment est-ce qu'on partage des œuvres avec un public qui, évidemment, pour la majorité d'entre lui, pour la majorité des visiteurs, n'ont pas forcément de notion d'histoire de l'art comme nous les avons. Et aussi, donc comment est-ce qu'on accompagne ça? Donc plusieurs, et aussi comment est-ce qu'on vote? Où on vote? Quel public on allait exclure en choisissant un mode de sélection? Vous voyez ici une sorte de papier peint, à vous de choisir l'exposition participative, en fait, qui a servi de base aux 2 votes, puisqu'on a fait 2 votes. Donc, pour les types de votes qu'on a choisis, on a fini par choisir un type de vote sur directement aux abattoirs, avec une urne, ce grand papier peint où il y avait les œuvres présélectionnées, et en parallèle, un outil de vote en ligne où il y avait également ces œuvres qui étaient au nombre de 58. En fait, on a à un moment fait la démarche de se dire seraient mises en avant particulièrement les images des œuvres, avec bien sûr, là vous ne les voyez pas, mais en dessous les intitulés, et ensuite la possibilité de télécharger les notices pour ceux qui le souhaiteraient, mais en fait de permettre aux gens de voter d'abord visuellement. On s'est beaucoup interrogé aussi également sur quel serait le nombre d'œuvres digérables d'une certaine manière par quelqu'un qui voudrait voter. C'est-à-dire qu'on s'est aussi on fait la remarque que notre base de données, elle n'est malgré toute sa force, elle n'est pas toujours aisée aussi pour quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il cherche exactement. Et donc, c'est pour ça aussi qu'on a travaillé sur un chiffre qui serait un chiffre qui serait idéal en termes de temps à passer pour les personnes à regarder les œuvres. Donc, initialement, nous avions dit pas plus de 50. On n'a pas réussi à 50, on arrive à 58. Et ensuite, comment est-ce qu'on aurait, d'une certaine manière, un panier d'œuvres représentatif? Et donc, comment avoir un panier d'œuvres représentatif? Ça a été un enjeu. En fait, on s'est fait un premier tour où chacun a choisi 10 œuvres. Mais avec ce que ça pouvait avoir de chacun du groupe, on était presque 10 à choisir 10 œuvres. Avec ce que ça pouvait avoir aussi de biais dans le regard que chaque personne du groupe portait sur les œuvres, puisqu'on les connaissait. Et à partir de ce choix de 10 œuvres qui seraient emblématiques, ensuite on a fait une sorte de pondération, qui a pris en compte la parité, la diversité des médiums, pour avoir des médiums représentatifs au sein de cette sélection, et également d'avoir un panachage entre des œuvres qui seraient rentrées de manière fort ancienne dans les collections et des œuvres qui seraient rentrées récemment. Puisqu'évidemment aussi, à quoi nous a servi aussi ce panier d'œuvres, c'est l'accompagnement de textes expliquant ce qu'était la collection, ce qu'était la pratique de collection d'un musée, et également d'expliquer pourquoi certaines œuvres que peut-être les gens appréciaient énormément ne seraient pas présentes dans le panier d'œuvres, soit parce qu'elles étaient en restauration, soit parce qu'elles étaient déjà prêtées, etc. Donc, c'était une démarche aussi, d'une certaine manière, de partage de qu'est-ce que c'est qu'une collection, ce qui est aussi quelque chose qui n'est pas toujours vraiment connu de nos visiteurs.
Aussi, en termes, ça a obligé aussi à une réflexion de comment faire, de comment monter ce projet. Donc, aussi, un dernier point que j'ai oublié de dire, c'est que sur le système de vote, on a proposé aux gens de choisir trois œuvres, sans classement entre les trois œuvres. Et on a aussi beaucoup travaillé sur le questionnaire qui accompagnait le vote en ligne ou sur site, de manière à ce qu'il ne soit pas, comment dire, trop long pour les personnes, mais qu'on ait quand même quelques renseignements sur eux, notamment leur email, parce que notre choix était de pouvoir les inviter tous au vernissage de l'exposition, tous les votants. Et d'ailleurs, on a rencontré certains des votants le soir du vernissage, et également de recevoir un certain nombre de citations de ceux qui le souhaitaient, c'est-à-dire qu'ils puissent exprimer sur le bulletin de vote virtuel ou physique, s'ils le souhaitaient, pourquoi ils avaient choisi ces œuvres et s'ils nous autorisaient évidemment à ensuite partager ce qu'ils en auraient dit. Donc, ça obligeait aussi à réfléchir le rythme, parce que pour être sur une dynamique de ce que les votants voient le résultat de leur vote dans un délai qui ne serait pas trop long, ça a été de choisir de monter l'exposition 3 mois après la sélection. Et donc, c'était assez drôle parce qu'on faisait un peu comme des sondages sortis d'urne. De temps en temps, on regardait quelles étaient les œuvres qui étaient dans les hauteurs pour pouvoir anticiper la scénographie le plus rapidement possible. Et avec quelque chose dont je ne sais pas encore comment l'expliquer, mais en tout cas, peut-être qu'un sociologue saurait l'analyser, on n'a pas eu les mêmes résultats des œuvres préférées. L'œuvre préférée par tout le monde a été la même, mais on n'a pas tout à fait le même classement dans les votes en ligne et les votes sur papier. Donc ça, c'était un autre élément qui dit soit quelque chose de la sociologie, soit autre chose. Et en tout cas, on a eu environ 900 votes, ce qui est quand même un peu plus de 900 votes, ce qui est quand même qui était pour nous un très bon score. Et donc, ce papier peint accompagnait l'urne avec un certain nombre d'autres éléments. Et d'ailleurs, on l'a gardé pendant quelques temps. Peut-être qu'on passe à la diapositive suivante. J'ai mis quelques vues de l'exposition. Alors, voici l'œuvre notamment qui a gagné. Vote en ligne, vote sur site. C'est « La réalité n'existe pas », qui n'est pas forcément peut-être des artistes les plus connus, puisque c'est un collectif toulousain, Alépé, qui a réalisé cette œuvre, qui est en fait une œuvre qui était au départ une œuvre remorque qui avait été conçue pour traverser et rouler dans les rues. Et on l'a mise en rapport avec ici une œuvre de une compression de César qui avait gagné. Donc on voit aussi que les artistes qui ont été sélectionnés étaient assez différents des uns des autres. Peut-être qu'on peut passer à la diapositive suivante parce que en fait, ce qui est assez étonnant, c'est une question qu'on s'est posée, c'est que finalement cette exposition participative, elle ressemble aussi à une exposition de collection classique. C'est ça qui est assez étonnant, c'est-à-dire que dans la scénographie, elle ressemble à une exposition de scénographie classique, donc Annette Messager, Pierre Soulages, à une exposition assez classique, parce que, et c'est ça aussi qui est étonnant pour nous, c'est que spontanément, on a aussi reconstitué, alors j'ai oublié de vous préciser, en fait, il y a 18 œuvres les 18 œuvres dans le haut du classement qui ont été présentées. On n'avait pas choisi un nombre d'œuvres initial au départ parce qu'on ne savait pas si on allait avoir beaucoup d'œuvres grandes ou d'œuvres de petit format. Donc, on n'avait pas présélectionné un chiffre final. Et avec la sculpture de David Admage, donc on a reconstitué paradoxalement, presque malgré nous, des ensembles d'histoire de l'art à partir de ce qu'avaient choisi les personnes. Peut-être qu'on regarde la diapositive suivante. Et donc, on avait les citations qui accompagnaient un certain nombre. Chacune des œuvres était accompagnée par une des citations. Ce qui est étonnant dans les citations, c'est qu'on peut avoir des citations d'une certaine manière assez classiques. Je vous en dis une. Je ne saurais dire pourquoi ce peintre me touche autant. Je ne suis pas spécialiste de l'art, je n'ai pas les mots, mais les œuvres de Soulages confèrent une sensation physique extraordinaire, celle de découvrir la lumière dans le noir. C'est comme ouvrir un livre et découvrir le savoir. Donc, on indiquait le prénom, l'âge et le lieu, Florence, 62 ans, Toulouse.
Mais par exemple, l'œuvre de droite, la personne qui a analysé l'œuvre, qui est une œuvre d'Eduardo Basualdo, entrée beaucoup plus récemment en collection, disait « Vers en équilibre, la fragilité de nos ressources d'eau sur la Terre ». En fait, initialement, l'œuvre telle qu'avait été pensée par l'artiste n'avait pas ce sens écologique, mais c'est ce que la visiteuse Céline, 58 ans, Fajol, elle y a lu. Donc, c'était assez étonnant de voir que un certain nombre de citations étaient d'une certaine manière des formes de lecture parfois plus classiques des œuvres et d'autres beaucoup moins. Mais par contre, c'était un choix aussi de les présenter en lettrage comme on aurait présenté des citations d'auteurs. Ça, c'était un choix très important pour nous. Et il y avait l'accompagnement ensuite d'un cartel assez classique. Peut-être qu'on passe à l'image suivante, donc un choix de Zanele Muoli, donc une photographe, parce que c'était aussi important de vous montrer qu'il y a les grands noms qui sont sortis, César, mais aussi des artistes contemporains, et ce qui est beaucoup plus jeune. Et ce qui a été assez étonnant aussi, c'est que parmi les œuvres choisies, deux n'avaient jamais été exposées encore aux abattoirs parce qu'elles avaient été achetées dans les 2-3 dernières années. Donc, c'était aussi pour nous un signal assez fort de se dire que, si nous, on avait dû, et peut-être qu'aujourd'hui, je le referais, se dire « les gens vont choisir telles œuvres », de voir qu'en fait, c'était pas forcément toujours ce à quoi on avait pensé, qui avait été choisi par le public. Et ça, c'était plutôt quelque chose d'assez enthousiasmant. Et peut-être qu'on voit une dernière vue de l'exposition derrière, donc Jamel Tata et à l'arrière-plan un néon d'Antoine Séchat. Et c'est les deux citations qui ont accompagné ces deux œuvres étaient des citations un peu plus personnelles, humoristiques. Une personne qui a dit « moi j'aime les chats, c'est pour ça que j'ai choisi Alain Séchat », tout simplement, comme une autre qui parlait au contraire de comment ces femmes d'Alger faisaient sens pour cette personne. Donc c'est vrai que c'était une... c'était une expérience assez forte et assez surprenante, et aussi qui a modifié cette rythme, cette réflexion, la discussion que j'entame, qu'on va entamer, c'est de se dire quel peut être l'acte 2 d'une exposition participative comme celle-ci. C'est-à-dire comment on la renouvelle, parce que je pense qu'on a fait ce système de vote cette fois-ci, mais est-ce que c'est ça qu'on doit expérimenter à chaque fois ou pas ? Pas forcément, je pense qu'il y a une réflexion là-dessus, mais aussi à se dire, comme ça a été posé précédemment, comment est-ce qu'on continue d'intégrer ces pratiques au fur et à mesure en dehors de l'événementiel ? Et donc, peut-être qu'on va regarder la diapositive suivante, parce que c'était important pour moi de vous montrer comment est-ce que, d'une certaine manière, les expositions et les actions qui sont réalisées dans le hors des murs, au sein de la galerie des publics des abattoirs également, sont des expositions déjà participatives, en fait. Depuis plus longtemps, d'une certaine manière, que ce qu'on avait fait sur le site principal des abattoirs. Et donc, je vous montre trois exemples. L'exemple en haut à gauche, c'est celui dont je vous parlais, c'est notre programme avec les établissements scolaires qui s'appelle « Un établissement, une œuvre » et qui permet à peu près à une trentaine d'écoles par an d'avoir des expositions thématiques dans leurs établissements grâce à un appel à projet. Et je vous montre également deux autres exemples. Celui à droite fait partie des expositions qu'on travaille dans quelques EHPAD qui sont autour des abattoirs. Et dans cet accompagnement dans l'EHPAD, notamment dans cet exemple-là, qui était une exposition qui s'appelait « Né de l'exil », il y a un travail qui est fait aussi avec les psychologues qui accompagnent ces résidents, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre d'œuvres qui sont proposées aux résidents, avec qui il est discuté de faire un certain nombre de thèmes, de choix, et donc qui choisissent un certain nombre d'œuvres dans la présélection qui leur est proposée. Et ces œuvres-là vont donner l'occasion de visites, mais aussi parfois de support de travail et d'échanges avec les résidents par les psychologues qui sont au sein de l'EHPAD. La deuxième photo que vous voyez en bas à gauche, c'est un programme qui nous a fait particulièrement plaisir parce qu'en fait, c'est un programme qui a été à l'initiative d'un quartier de Toulouse
le quartier Saint-Aubin et l'association des quartiers Saint-Aubin de Toulouse. En fait, et ça a été à l'occasion de la pandémie, il s'avère qu'une des personnes qui est dans cette association et dans ce quartier est un ancien et quelqu'un qui connaissait nos programmes dans le cadre d'un établissement une œuvre dans notre cadre scolaire et qui depuis est parti à la retraite. Et en fait, il s'avère qu'il a contacté l'équipe notamment de la partie FRAC pour parce qu'il n'était pas content que l'on ne soit pas ça l'avait beaucoup choqué qu'on ne fasse pas partie des éléments essentiels, les musées. Et donc, il a proposé que dans ce quartier, on fasse un musée de quartier. Donc, ça s'est fait en 2022. Et en fait, donc, c'est 14 commerçants qui, chacun, ont présenté une œuvre une œuvre choisie dans la collection des abattoirs dans chacun de ces commerces. Et donc, on pouvait avoir une œuvre chez l'opticien, chez le marchand de cycle, etc., avec cette idée aussi que là, il y a non seulement un partage de la collection, mais aussi une forme de partage de la médiation, puisqu'il s'avère que par ricochet, c'est le commerçant qui avait cette œuvre-là, chacun dans son établissement, qui lui-même racontait pourquoi il avait cette œuvre, pourquoi il l'avait choisie, etc. Et donc, c'est une sorte de partage de collection partagé avec un partage de médiation. Et donc, ça fait partie, ces trois exemples que je vous montre font partie de cette question-là, parce que c'est vrai qu'on m'a beaucoup interrogée sur l'exposition participative « À vous de choisir », mais en fait, elle est presque un épiphénomène d'une construction beaucoup plus de long terme dans cette structure sur la co-construction. Et du coup, peut-être que je vous montre le dernier exemple parce que je trouvais ça intéressant de se dire en parallèle quels sont trois modes de participation et d'échange différents. Et donc, on a aussi eu cette question de la participation au sein d'une exposition qui est encore en cours de Shona Enigworth, Topology of Air. Et donc, c'est la question de quand la participation fait partie de l'œuvre d'un artiste et comment nous, on prend part à cette participation dans l'œuvre d'un artiste. Donc, Shona Enigworth est une artiste danoise et française qui travaille à un grand projet qui doit aboutir à une présentation d'un droit humain du ciel, d'un droit de protection du ciel à l'ONU. Et donc, son exposition comporte notamment des vidéos, des photographies, et en fait, toute une partie de sa recherche se fait aussi sous des formes de tribunaux du ciel, d'assemblées du ciel, qu'elle a organisées dans différents pays, qui lui permettent de collecter la parole de spécialistes et qui lui permettent de construire et de montrer quels sont les différents modes d'approche du ciel, qui peuvent aller aussi bien du spécialiste du droit spatial à un économiste, à un chaman. Et donc, dans ce principe des assemblées du ciel, elle nous a aussi proposé de faire qu'au fur et à mesure de l'exposition, les personnes puissent elles-mêmes participer à la future assemblée du ciel qu'on allait faire aux abattoirs. Donc, pour faire cette assemblée du ciel aux abattoirs, elle a proposé que les visiteurs d'exposition puissent laisser un mot, mais ce mot, de ne pas le laisser n'importe où, il le laisse sur un morceau de papier, où il y a une question posée, et ensuite le revers est un morceau de ciel. Et donc, en fait, ce que vous voyez sur cette photo, c'est un ciel qui se construit au fur et à mesure sur le mur, au fur et à mesure que les personnes y apportent leur parole. Et donc, l'idée, c'est que cette parole-là serve aussi de parole populaire au sein des assemblées qu'elle constitue après coup.
Et donc, même si l'exposition est toujours en cours, on va vous montrer une dernière partie parce que c'est là où finalement ça se mélange avec une forme de créativité. Ça s'appelle The Skywall Mapping. Et en fait, elle a travaillé avec une chercheuse qui est basée à Hiroshima, qui est dont je vais vous citer bien sûr son nom. Qui est le docteur Lul Van Daz, donc qui est professeur au Centre de mémoire et d'études patrimoniales critiques pour la paix donc à l'Université d'Hiroshima, qui a analysé les premières séries de réponses venant des visiteurs sous une forme de cartographie. Cartographie qui elle-même servira à Shona Lingworth dans ses prochains projets d'exposition, et donc cartographie qui disent en gros quels sont les grands sujets qui questionnent les visiteurs de cette exposition et qui seront ensuite pris en compte dans son propre projet artistique. Et donc c'est vrai que c'est une autre c'est un autre challenge, c'est-à-dire c'est un autre challenge de se dire comment aussi on est à la croisée, on est en tant que responsable de musée, équipe qui travaillons dans des institutions culturelles, toujours à ce croisement de comment est-ce qu'on est dans l'art contemporain, entre les artistes et les visiteurs et le public. Et du coup, c'est d'une certaine manière trois types d'exemples différents de comment on met en place, mais aussi, je dirais, on est challengé différemment par ces trois exemples différents de comment on participe tous ensemble avec le public. Comment est-ce qu'on arrive à créer ce dialogue entre les différents éléments. Mais quand je dis dialogue, c'est d'une certaine manière, lorsqu'on fait l'exposition participative, il y a un échange de différentes paroles, des uns vers les autres, mais l'idée, c'est comment cet échange de différentes paroles arrive à un dialogue qui se poursuit. Et donc, voilà, je vais arrêter cette présentation. Merci beaucoup de votre attention et de m'avoir écouté sur ces différents exemples. Alors, merci Annabelle, c'était passionnant. En revanche, on n'est pas très en avance, donc je ne vais pas poser de questions. Voilà, donc je vais passer directement aux intervenants suivants. On se réservera pour les questions à la fin. Il nous reste un petit peu de temps parce qu'on a vu déjà dans le chat, il y en a. Voilà, donc je vais passer la parole à Lorella Rinson. Bonjour Lorella. Donc Lorella est directrice générale du MACT, Musée Mémorial, Centre caribéen d'expression et de mémoire de la traite et de l'esclavage en Guadeloupe. Elle est conservatrice du patrimoine. Et ses recherches en histoire de l'art et des collections d'Afrique, de la Caraïbe et de l'océan Indien portent sur les modes de sociabilité dans l'univers de la plantation. Depuis 1988, elle a développé des activités avec de nombreuses institutions internationales. Elle a été ainsi co-commissaire de l'exposition Horizon Voices from a Global Africa en Suède. Elle a travaillé sur des expositions Bénin, 5 siècles d'art royal et Masque beauté des esprits au musée du Quai Branly. Elle a coordonné les programmes patrimoine de la traite négrière et d'esclavage au ministère de la Culture en 2011 et 2012 et a participé au programme L'esclave au Louvre dans le cadre de la triennale d'Okui en 2012. Elle a passé 10 ans au ministère de la Culture. Ensuite, elle a travaillé à l'UNESCO tout en poursuivant des recherches sur les musées et les héritages coloniaux. Et elle est membre du jury à l'INP et sur la spécialité civilisation d'Afrique et membre du jury du prix du musée européen de l'année de 2014 à 2017. Lorella, aujourd'hui, souhaite revenir sur la création du MACT et sur les objectifs initiaux de cette institution. C'est un musée qui explore l'histoire, les patrimoines et les mémoires de l'esclavage. À son ouverture, le MACT n'a pas reçu forcément l'adhésion des Guadeloupéens parce qu'on lui a reproché, un, sa taille, qui serait l'expression d'une démesure, deux, son ambition philosophique qui était trop éthérée et qui échappait aux Guadeloupéens, et trois, le parti pris général de l'exposition permanente qu'il relevait plus d'une approche plus conceptuelle qu'historique. Donc aujourd'hui, elle a un nouveau projet
Et l'ambition de ce projet, ce fait fort de proposer une nouvelle identité pour le MACT avec les Guadeloupéens. Il a vocation de répondre à leurs exigences et de construire un outil culturel qui réponde à leurs attentes. Et c'est ce qu'elle va essayer de nous expliquer dans sa présentation. Donc, Lorella, je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Je vous remercie l'ICOM France, l'ICOM International, l'INP de cette invitation parce qu'évidemment, le MACT est à 8000 km et donc c'est toujours important de donner un peu de visibilité sur ces actions, d'autant que c'est une institution très jeune qui a fêté ses 7 ans en juillet dernier et donc qui est en permanente refondation, réflexion sur ce qu'elle doit être et ce qu'elle doit apporter à cette société. Alors, je me réjouis de participer à cette réflexion avec vous. D'abord parce que je retrouve des gens que j'ai pas vus depuis longtemps, notamment Émilie Girard, Lina Tahan, et des gens avec qui en plus il y a au moins 20 ans on avait commencé à réfléchir à ces questions-là, Lina, Xavier de la Selle, parce qu'on a en commun Joël Lemarec qui l'a cité, et c'est vrai que je me réjouis d'autant plus de voir à quel point ces questions participatives qui il y a 20 ans étaient embryonnaire en France. C'est à l'occasion plutôt de travaux en Suède que moi j'avais pu commencer à travailler sur ces questions-là et qui étaient finalement des objets de recherche de quelques personnes comme Joël Lemarec, Jacqueline Edelman. Se retrouve finalement beaucoup plus largement implanté aujourd'hui, donc c'est une grande réussite et ça c'est une belle satisfaction. Alors moi je vais pas forcément vous présenter un projet, mais peut-être expliquer comment la muséologie participative elle est dans l'ADN même du MACT, puisque le MACT est un musée mémorial en tout cas à l'ambition de le devenir. Et donc, forcément, les porteurs de mémoire ont une implication toute particulière dans un tel lieu. Alors, peut-être le présenter, parce que j'imagine que tout le monde ne connaît pas le Memorial Act qui est à Pointe-à-Pitre, en Guadeloupe, qui a été inauguré donc, le 10 mai 2015. À l'occasion de la Journée nationale des mémoires de la traite, de l'esclavage et des abolitions. Donc, c'est cette journée du 10 mai qui, chaque année, qui inaugure, qui commémore plutôt cette histoire-là. C'est le premier et l'unique établissement culturel spécifiquement dédié à ces mémoires en France. Et il a été ouvert le 7 juillet de la même année, ouvert au public, en prenant cette appellation de Centre caribéen d'expression et de mémoire de la traite et de l'esclavage. Donc, il y avait déjà, et c'est une question qui perdure, un débat important sur... l'idée que ce soit un musée ou un mémorial et le projet, le nouveau projet du MACT ambitionne de réconcilier les deux, évidemment. Alors, le MACT va fonctionner en mode un peu projet pendant 4 ans et puis le 1er août 2019, il va entrer dans une phase d'institutionnalisation en se dotant donc d'un statut, celui d'établissement public de coopération culturelle, avec cette ambition-là de devenir un musée mémorial et d'explorer donc l'histoire, les patrimoines et les mémoires de l'esclavage. Mais le MACT s'inscrit dans une chronologie assez longue de faits, d'impulsions, de volontés individuelles, de volontés collectives. Et donc, c'est à la fois une aspiration très locale, mais aussi une ambition nationale et puis une institution qui a une dimension internationale. Alors, une aspiration locale, pourquoi ? Parce que le MACT, c'est d'abord l'aboutissement d'un désir ancien qui est profondément ancré dans la société guadeloupéenne et qui s'est exprimé par des voies multiples depuis au moins les années 90. Donc, le mouvement associatif, le mouvement artistique, le mouvement politique, comme le Comité international des peuples noirs qui était présidé par un militant nationaliste et qui a porté en fait ce projet d'un...
d'un musée de l'esclavage. Mais il y a aussi eu les réflexions et les groupes de travail organisés par une sociologue, Dani Bebel-Gisler, qui était présidente du comité local du programme UNESCO, donc la route de l'esclave. Et donc c'est ce programme qui s'appelait à l'époque la route de l'esclave et qui va permettre donc l'inauguration en 1994 d'une maison de l'esclavage. Et puis la création d'un parcours aussi par le département d'une route de l'esclave reliant les différents sites patrimoniaux du territoire. Et ce n'est que 10 ans plus tard que le Conseil régional de Guadeloupe en fait, va se faire l'écho de cette ambition en inscrivant la création d'un établissement culturel dédié à la mémoire de l'esclavage à l'ordre du jour de ses délibérations. Donc, c'est en 2004 que débute la gestation de ce projet et donc cette institution qui va ouvrir en 2015. Alors, une aspiration locale qui parallèlement en fait, se nourrit d'une ambition nationale parce qu'on note aussi l'implication de nombreux acteurs culturels, scientifiques, intellectuels et politiques originaires des différents territoires des Outre-mer. Alors, en 2001, on a la loi tendant à la reconnaissance de la traite et de l'esclavage en tant que crime contre l'humanité, qui est promulguée à l'initiative de la députée guyanaise Christiane Taubira. En 2004, on a la mise en place du Comité national pour la mémoire et l'histoire de l'esclavage, qui est présidé par l'écrivain guadeloupéen Marie Scondé, puis par la politologue réunionnaise Françoise Vergès. Et en 2005, on a le lancement d'une mission de préfiguration d'un centre national pour la mémoire des esclavages et de leurs abolitions, qui est confié au philosophe martiniquais Édouard Glissant. Donc, on voit bien que sur le plan national, tous les territoires des Outre-mer qui sont concernés hein, par cette histoire de la plantation vont finalement participer à cette... Enfin, des gens émanant de tous ces territoires vont participer à cette réflexion. Et puis, je m'excuse de vous couper. On n'a pas beaucoup. Il nous reste à peine une dizaine de minutes. Hein, donc, d'accord. Donc, voilà. Je vais aller un peu vraiment qu'on aille essayer, autrement, on ne pourra pas du tout échanger après. D'accord. Alors, aussi, d'aller directement au sujet participatif, tout le monde n'arrivera pas à échanger après. Voilà. D'accord. Alors, peut-être juste pour dire que dans les grandes villes, il y a un mouvement parallèle, hein, puisqu'il y a de nouveaux projets muséographiques aussi à Nantes, à Bordeaux, à La Rochelle. Donc, je vais passer. Le reste de la chronologie, mais qui va montrer en tout cas que jusqu'en 2019, jusqu'à la mise en place de la Fondation pour la mémoire de l'esclavage, il y a toute une chronologie de faits et d'investissements personnels et collectifs qui vont aboutir à la création donc de cet établissement en Guadeloupe et de la Fondation à Paris. Alors, à son ouverture, le MACT catalyse en fait toutes ces énergies multiples qui sont déployées par des acteurs culturels, scientifiques, intellectuels et politiques. Et il symbolise vraiment l'aboutissement des travaux et le fruit d'efforts et de volontés conjuguées. Alors, je vais passer l'architecture que vous avez pu voir et finalement développer mon propos sur deux axes. Alors, d'abord, contredire le désamour du MACT. Et puis, créer un désir de MACT. Donc, ce désamour que vous avez évoqué en introduction, il est réel. Hein. On a, en fait, à la première étude de public en 2020, on se rend compte que 90% des visiteurs sont des touristes. Et donc, ce qui est un peu un échec à constituer un pôle d'attractivité culturelle quand on est un mémorial et qu'on s'adresse finalement à cette population qui est porteuse de cette mémoire. Alors, on va se rendre compte en 2019 qu'à la faveur de la crise de gouvernance que va connaître le MACT, donc une crise de gouvernance qui continue et qui aborde hein, toutes ces questions justement de la place du politique dans l'évolution de ces projets, que c'est à la faveur de cette crise que la population locale va réellement montrer en fait son intérêt pour l'institution. Et il y a une mobilisation qui va vraiment exprimer une demande politique vis-à-vis de l'institution et qui cristallise une discussion sur des faits de société qui montre aussi qu'il y a une exigence forte sur une nécessité d'aborder des problématiques qui ne sont pas exclusivement sur ces questions de mémoire et d'identité, mais que finalement l'institution
prendre a du sens en fait quand elle a cette capacité à porter une charge symbolique contemporaine qui va au-delà de ces questions, une charge symbolique beaucoup plus large. Et donc le MACT se retrouve au cœur de vraies questions telles que l'ambition réelle finalement de la collectivité des porteurs de ces mémoires quant aux politiques culturelles qui peuvent être développées. Donc je vais un peu passer aussi rapidement sur tous ces principes, mais qui sont quand même fondamentaux parce que finalement, à la faveur de cette crise, on comprend aussi le rôle déterminant que peut jouer l'institution pour cette population, qui est celui de proposer une grille de lecture originale sur les réalités contemporaines et une approche enrichie de la société actuelle et une façon nuancée en fait d'être au monde contemporain, d'être au monde de demain. Donc, un des enseignements à tirer de cette mobilisation qui a été déclenchée, qui est de façon très large, hein, alors d'abord par le monde artistique, mais qui a été très largement suivi, ça a été vraiment cette impérieuse obligation pour l'institution de faire écho aux interrogations du corps social et à ses préoccupations et réflexions sur l'avenir qu'il souhaite construire. Alors, comment nous, on est arrivé à créer un désir de MACT? Donc là, vous pouvez voir, on peut passer à la diapo suivante, que pour une institution qui était largement à 90% fréquentée par des touristes, on est arrivé en 3 ans à renverser complètement le propos. Là, on voit des photos, la suivante aussi, de manifestations largement suivies, qui d'ailleurs, alors qui se passent en plein air et qui nous posent d'ailleurs des problèmes de sécurité parce qu'on arrive à avoir 1200 personnes on n'est pas tout à fait outillé pour accueillir autant de personnes sur les spectacles qui se font au MACT. Alors, pourquoi on a pu, en fait, comment surtout on a pu renverser cette dynamique? Alors, ce qu'il faut prendre en compte, c'est que le MACT se situe sur le territoire même de la plantation. Si on considère que l'île entière porte les stigmates et symbolise par conséquent cette plantation. Donc, ce n'est pas une institution qui, dédiée aux mémoires de la traite, de l'esclavage, des abolitions, aurait été édifiée dans une ville d'Europe. Le contexte serait complètement différent. C'est une institution qui s'implante sur le lieu même d'une usine sucrière et son architecture dialogue avec les vestiges du site, comme on a pu le voir. Je n'ai pas pu développer sur l'architecture, mais on a pu le voir un petit peu avant. Donc, la mise en œuvre d'une démarche inclusive suppose donc la prise en compte de ce facteur essentiel pour envisager comment la collectivité pourrait se projeter dans l'institution, donc la collectivité des porteurs de projets. Et donc, c'est en souhaitant créer un désir de MACT que le nouvel établissement public de coopération culturelle a défini, à l'occasion du 5e anniversaire du MACT, un projet d'appropriation par la population. MACT en nous, donc en 2 langues, en créole et en français. C'est notre MACT et il vit en nous. La résonance en fait de ce slogan dans les langues créoles et françaises a permis, dans un archipel où s'épanouit un bilinguisme équilibré, de réaffirmer la place de l'institution sur le territoire et dans le cœur de ses usagers potentiels. Donc l'ambition de ce projet d'une nouvelle identité pour le MACT a vocation à se décliner ces 5 prochaines années, de répondre à l'exigence des Guadeloupéens vis-à-vis du MACT et de leur permettre de se réapproprier cet outil culturel d'envergure qui place finalement la Guadeloupe sur la carte du monde des musées. Alors, ce MACT en nous se décline en 5 opérations, donc parmi lesquelles, donc voilà, le MACT en nous, donc parmi lesquelles le MACT Lab, donc la diapo suivante vous présente les 5 opérations et un programme à l'intérieur du MACT Lab qui est le mot phrasé le MACT, qui fait en fait un 6e pilier. Donc là, le MACT Lab n'a pas l'ambition de développer un laboratoire de recherche, hein, c'est en fait un programme qui accueille en résidence des chercheurs, des artistes, des curateurs et des porteurs de mémoire, quels qu'ils soient, qui peuvent proposer un projet pour investir l'espace de l'exposition. Alors, je vais vous présenter quelques projets très rapidement. Alors, on va continuer, encore la prochaine. Alors, par exemple, le MACT en Larila, donc dans ce pilier du MACT Timoun, qui est la préfiguration d'un musée pour enfants, au moment du carnaval, on a pu en fait créer à partir d'ateliers classiques, recevant les enfants pendant les vacances de carnaval,
créer en fait un groupe, le groupe du MACT, le MACT en Larila, et qui a permis donc de créer des costumes, créer des instruments de musique, et a permis à ce petit groupe du MACT constitué de défiler parmi les autres groupes de carnaval. Un autre projet, on peut continuer. Et les diapos, donc ça c'est le MACT. On peut continuer. Prochaine diapo. Voilà, donc voilà un petit peu les photos de ce MACT en Larila. Prochaine diapo. Prochaine diapo. Donc, par le biais aussi des résidences, les artistes en résidence sont amenés aussi à travailler avec différentes tranches d'âge de la population. Donc, on a créé en fait un atelier dans le musée. Donc, on peut aller dans la prochaine diapo. Donc cet atelier en fait permet à l'artiste d'avoir des moments d'atelier ouverts, et ce sont en fait ces créations-là qui vont parallèlement à ces œuvres exposées dans l'exposition vont aussi être exposées sur le site, parce que le MACT c'est un bâtiment mais c'est aussi un site exceptionnel à exploiter. Alors on peut continuer. Donc, c'est les œuvres de Ronald Cyril, qui est l'artiste invité, et puis les ateliers qu'il fait avec les adolescents, les lycéens, à l'occasion de cette résidence. Prochaine diapositive. Donc, le MACT en parole, donc, ce sont toutes ces activités autour de la langue créole qui, en fait, finalement, s'adressent aux créolophones autant qu'aux non-créolophones, puisque c'est l'occasion aussi, par ces moments de pratique de la langue, de redécouvrir des aspects des cultures créoles et des civilisations, et de créer aussi des projets avec les linguistes tels qu'Hector Poulet, qui collabore avec le MACT. Prochaine diapositive. Faut vraiment qu'on D'accord. Alors on va décider. Autrement, on va être coupé bientôt. D'accord. Donc ça, c'est un projet sur le mort de mémoire. On va tout simplement faire défiler du coup les diapositives. C'est un projet qui nous a permis au moment de la pandémie de faire une commémoration connectée en fait pour alors là c'est juste après la pandémie de faire une commémoration connectée en 2020. On a aussi ce projet La Ligne Caclairé qui est pendant notre nocturne, donc qui est d'inviter des artistes et des porteurs de mémoire dans l'exposition. Alors Jamaïcan, c'était une exposition en collaboration donc avec de jeunes architectes jamaïcains. Et qui a permis aussi de rassembler énormément de public, parce qu'on a travaillé, on a fait donc cette hip-hop session, on a travaillé avec une classe d'âge spécifique autour de ces questions. Et puis le MACT entre aussi dans des pratiques traditionnelles qui ont. Alors, est-ce qu'on peut retourner un tout petit peu, parce que ça va un petit peu vite, j'ai pas le temps, j'ai à peine le temps de dire une phrase sur chaque projet. Est-ce qu'on peut retourner à la diapo précédente? Oui, mais on va pas y arriver. Enfin, faut vraiment qu'on accélère. Non, mais je vais terminer sur la diapo précédente, comme ça. Voilà. On rentre que la façon aussi de permettre aux Guadeloupéens de s'approprier le MACT, c'est de rentrer aussi dans des pratiques culturelles qui sont déjà implantées, telles que la voile traditionnelle. Donc, le MACT a maintenant son équipage de voile traditionnelle et son canot de voile traditionnelle. Donc, c'est une activité, une pratique culturelle qui est très importante et qui permet aussi de ramener un public différent vers le MACT. Donc voilà, en fait, très rapidement. Alors, ce que je vous propose, c'est juste de finir en balayant les diapositives de l'exposition, du programme Mots Phrasés le MACT, qui est vraiment le programme emblématique. Et ça, c'était la première exposition en 2020. On en a une aujourd'hui en 2022. Il y en a une autre qui se prépare, où en fait, les artistes investissent l'espace de l'exposition aussi pour dialoguer, pour amener une certaine complexité et amener une dimension différente à cette exposition permanente qui, comme on le disait, a fait l'objet de nombreuses critiques. Ok, merci beaucoup Lorella.
Donc, pareil, on posera les questions dans le chat à la fin si on a un peu de temps. Pas sûr qu'on en ait beaucoup. Et du coup, je vais passer la parole à Luisa De Peña, qui fera son intervention en espagnol. Parce qu'elle nous. Voilà. Donc, elle est à la fois, et c'était, ça m'a étonnée en lisant son décoratrice d'intérieur et spécialiste en histoire de l'art, également spécialiste en gestion, économie et financement de la culture dans le domaine des musées. Elle est spécialiste en stratégie et a une spécialisation en récupération d'archives de répression et de la mémoire historique. Elle possède enfin un diplôme en pédagogie de la mémoire et des droits de l'homme. J'avoue être extrêmement... je m'incline. Elle est aujourd'hui directrice fondatrice du musée mémorial de la résistance dominicaine. Alors, elle a participé, elle a une expérience extrêmement riche, elle a été présidente du comité national dominicain, du conseil d'administration d'ICMEMO 2, etc., etc. Alors, il y en a tellement que la liste est très très longue. Et aujourd'hui, quand même, je vais vous dire, elle est membre de EDCOM, membre de ICOM Define, vice-présidence de ICMEMO, donc le comité international des musées mémoriaux, membre correspondant de l'Amérique latine pour la Fédération internationale des musées de droits de l'homme et vice-présidente d'ICOM République internationale, donc un acteur important, enfin fondateur même, d'ICOM sur tous les sujets. Et en tant que membre EDCOM et du comité permanent d'ICOM pour la déontologie et directrice fondatrice du musée mémorial de la résistance dominicaine, Luisa souhaite aborder la responsabilité sociale des musées envers les communautés et plus précisément comment travailler ensemble sur la construction d'un savoir tout en s'assurant que les musées contrôlent toujours la narration de l'histoire. Ces problématiques trouvent un écho particulièrement fort en Amérique latine, par exemple avec les musées de type mémoriaux qui travaillent énormément avec les communautés. La culture muséale d'Amérique latine est très différente de celle de l'Europe, car sur le continent américain, les musées sont peut-être moins forts, moins puissants que les musées européens, mais ils ont davantage d'impact quand ils sont associés aux communautés. Et donc, c'est le message qu'elle va essayer de nous transmettre. Voilà, donc je laisse la parole à Luisa en lui disant aussi, malheureusement, qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps si on veut échanger après. Et je vous rappelle qu'on a aussi une conclusion à faire de Séverine. Vous avez normalement, pour ceux qui le souhaitent, moi je ne parle pas du tout espagnol, la possibilité d'avoir la traduction. Voilà. À Luisa, je vous laisse la parole. Sí. Muy buenas tardes y muy buenas noches. En primer lugar, quiero agradecer a ICOM Francia el haber invitado a EDCOM, que es el comité de ética del ICOM, el comité permanente, a participar en este interesante debate, que nos parece en un momento muy importante para el proceso que está envuelto EDCOM dentro del ICOM. Para los que no saben del comité de ética del ICOM, tiene como función pues el hacer respetar el código de deontología, aconsejar y someter modificaciones al código de deontología, entre otras funciones. Quería iniciar este intercambio con dos preguntas reflexivas, dos preguntas que al final debemos responderla internamente. ¿Por qué preservamos el patrimonio? ¿Para qué existen los museos? Responderlas internamente desde el punto de vista del factor humano. Tomando en cuenta el factor humano, entonces ahí pues podemos pasar la próxima diapositiva. Voy a ser bastante rápida. Podemos pasar a la cuestión de la participación de la comunidad. La participación de la comunidad no es contraria a la ética profesional. Y para ponerle ejemplos sobre esto y sobre cómo se integra la comunidad al proceso de construcción del conocimiento, que al final tiene como objetivo que la misma comunidad se adueñe del saber. El establecer un diálogo con la comunidad
no implica comprometer el control de la narrativa del museo. Todo lo contrario, lo que significa es ser abiertos e inclusivos. Y definitivamente no implica entregar lo que es la libertad curatorial. Una vez esto establecido y desde el punto de vista del proceso de revisión del Código de Ética, donde muchos de nuestros miembros han llamado la atención y han solicitado sobre la redacción de un principio que regule y establezca hasta dónde la participación de la comunidad puede afectar la ética profesional dentro del museo. Y quiero compartir ejemplos de actividades de construcción de conocimiento en museos de memoria. El primer ejemplo lo voy a hacer sobre el museo que nosotros dirigimos, el Museo Memorial de la Resistencia Dominicana. Hace unos años se acercaban elecciones presidenciales en el país y había un gran revuelo porque se esperaba un cambio de gobierno, un cambio de partido importante, y había un gran revuelo en la sociedad y una campaña muy agresiva en todos los medios. Entonces los niños empezaban a preguntarse, no entendían, no comprendían todo el proceso y cómo en su casa, en su escuela, entre sus amigos, quienes habían sido amigos, de repente ya no eran tan amigos porque pertenecían a partidos diferentes. Esa inquietud fue llevada al museo por el grupo de voluntarios de museo que son personas que se agruparon alrededor del museo perteneciente a las juntas de vecinos de la comunidad inmediata del museo. El Museo de la Resistencia abrió sus puertas a las juntas de vecinos, quienes asumieron el museo como su sede y tienen sus reuniones regulares allá. Y eso es una forma que nos mantiene con un contacto directo con la comunidad inmediata. Al ellos llevar esa inquietud, el museo organizó junto con ellos, con el voluntariado, una actividad que se llamó Elecciones Infantiles. Y replicamos absolutamente todos los procesos de las elecciones generales e invitamos a los niños. Tuvo un impacto tan importante, tan fuerte, que los observadores internacionales que habían ido a observar el proceso electoral fueron al museo a ver qué estábamos nosotros haciendo con los niños. Los jueces de la Junta Central Electoral, que es la junta que organiza las elecciones, fueron al museo a participar con sus niños o con sus nietos del proceso. Tuvimos participación de diferentes regiones del país. Y al final, para concluir con esa actividad, quiero citar un encuentro que tuve con un señor mayor durante la actividad, que fue con su nieta desde un pueblo cercano de la ciudad. Y me causó curiosidad y le pregunto, ¿y por qué vino? Y me dijo, bueno, mi nieta tiene todos los días preguntándome una serie de preguntas que sobre las elecciones, el proceso electoral, que yo no encontraba cómo responder. Y cuando vi esto, dije, para allá voy, para que me resuelvan el problema. Entonces, es una participación que parecería no inocua, pero sin embargo es una formación en ciudadanía a los niños que no reciben esa formación normalmente ni en su casa ni en la escuela, en las prácticas electorales. Otro ejemplo que quiero utilizar sobre lo que fue la construcción del conocimiento y a dónde eso nos llevó es una actividad que realizó el museo que se llamó Hijos, yo te cuento, y era donde los hijos de las víctimas de la dictadura fueron a contar su experiencia desde otra perspectiva, porque la perspectiva de la víctima, que es la que siempre se narra, muchas veces deja de lado a las víctimas colaterales, que son los familiares, los hijos que crecen sin padre, y cómo le impacta en ellos eso. Entonces,
hicimos una actividad donde recolectamos testimonios. Y esa actividad y esos testimonios sirvieron para abrir una serie de investigaciones nuevas en el museo sobre hechos y sobre prácticas de la dictadura que no se habían abordado hasta ese momento. Una próxima diapositiva, por favor. El último ejemplo, antes de pasar al código de ética, es una exposición que se organizó en Argentina, en Buenos Aires, en el centro de la ESMA, que es la Escuela de Mecánica de la Armada, que fue un centro de tortura y de asesinato durante la dictadura argentina. Y ellos organizaron una exposición dentro del marco de la búsqueda de los niños desaparecidos. Y la exposición era muy simple, consistía en dos fotografías y un espejo. Dos fotografías del padre y de la madre desaparecidos y un espejo en el medio, donde el visitante se veía junto a las fotos del padre y la madre desaparecidos. Cientos de fotografías y cientos de espejos. Y fue una forma de llevar a la comunidad y humanizar no solamente la desaparición de esto, sino humanizar lo que fue la pérdida de la identidad de esos niños y al mismo tiempo servía para buscar niños perdidos. De ahí se desprendieron muchísimas solicitudes para investigar a través del ADN y poder recuperar los niños, muchos niños que a la fecha faltan muchos todavía y cada vez que se recupera un nieto, pues todo lo vemos en la prensa. Entonces, esos fueron ejemplos de participación de la comunidad desde el museo como una responsabilidad social del museo. Los museos tienen una responsabilidad que implica la educación en derechos, implica promover valores, implica promover diversidad, implica respetar la dignidad humana. Y resulta que con la nueva definición de museos, pues esto se ha puesto sobre el tapete y es ya abiertamente una misión, parte de la misión del museo. Dentro de ese proceso, el Comité Permanente de Ética del ICOM, el EDCOM, por el cual estoy aquí frente a ustedes, ha iniciado el proceso de revisión del Código de Ética, donde no solamente se está planteando la redacción en términos a lo mejor más amigables del mismo código de ética, sino también la inclusión de nuevos principios que no solamente es sobre la responsabilidad social de los museos, hay principios tales como debemos manejar y afrontar los museos digitales, las colecciones digitales, como ejemplo, entre los aportes que han hecho los miembros. Y estas últimas palabras son para invitarlos a participar de este proceso. Nosotros hemos abierto varias consultas, en la actualidad está la segunda consulta abierta y va a haber una tercera consulta, y aspiramos a que para el año 2024 haya una propuesta aceptable, no solamente de la redacción de los principios actuales, sino de cualquier principio que la comunidad museística entienda que debe agregarse. De manera que para el 2025, para la Conferencia General en Dubái, pueda presentarse a la Asamblea General y tengamos un código de ética que vaya de la mano con la nueva definición de museo, pero sobre todo con los nuevos retos que nosotros enfrentamos como museos. Y uno de esos retos es el cómo asumir la participación de la comunidad sin comprometer la narrativa y la libertad curatorial del museo y sirviendo, entre otras cosas, como voz a aquellos que fueron, que no tienen voz. Por eso el museo promueve diversidad, pero al mismo tiempo mantener
nuestra posición como institución científica y educativa y sobre todo los principios éticos profesionales que nos garantizan las buenas prácticas dentro del museo. Creo que condensé bastante y ahorré tiempo para que la gente pueda, pues entonces, preguntar y participar, porque nos interesa muchísimo el poder escucharlos. Gracias. Merci beaucoup, Louisa. Merci vraiment, sincèrement. Comme ça, on va pouvoir essayer d'échanger un peu. On va avoir une conclusion de Séverine Blenner-Michel, qui est donc responsable de la formation des conservateurs à l'INP. On va peut-être l'écouter d'abord, et puis après, on échangera. Je propose qu'on fasse dans cet ordre-là, si ça vous va, parce que de toute façon, on a encore quelques minutes pour avoir les traducteurs, et après, on fera un échange sans traduction. Voilà. Donc, Séverine, je vous laisse la parole. Alors, très bien, je ne sais pas. Est-ce que vous m'entendez ? Très bien. Alors, tant mieux, parce que j'ai mon micro et moi-même, je ne m'entends pas parler. Donc, l'essentiel, c'est que vous m'entendiez. Je vais essayer d'être aussi bref que possible pour conclure cette soirée particulièrement dense. Et je tiens tout d'abord à vous dire le plaisir que j'ai à être avec vous ce soir, à avoir suivi ces interventions, ces débats passionnants, puisque le partenariat qui nous lie maintenant depuis de nombreuses années à l'ICOM pour l'organisation de ces soirées débats me vaut aussi, un peu par une tradition qui s'est instituée, je l'ai compris avant mon arrivée à l'INP, vaut au directeur ou à la directrice des études du département des conservateurs le soin de conclure ces échanges. Je mesure en fait toute la responsabilité de cette charge, d'autant que je ne suis moi-même pas conservatrice de musée, que je viens du monde des archives, mais je sais aussi que je ne suis pas la seule dans cette assemblée à venir d'une spécialité sœur du patrimoine, et je pense même que cette ouverture à d'autres spécialités permet d'enrichir ce débat sur les pratiques participatives. Et donc, c'est nourri de l'expérience d'autres milieux professionnels et d'autres pratiques que je vous ai écouté ce soir avec beaucoup d'intérêt, dialoguer sur cette question de la participation dans les musées. Dans la définition que l'ICOM a adoptée l'an dernier et qui a été rappelée en introduction par Emma Nardi notamment, le musée s'inscrit comme une institution au service de la société, ouverte au public, accessible et inclusive. Et cette nouvelle définition entérine des évolutions qui sont déjà constatées, mais qui sont sans doute souhaitées aussi, souhaitées dans une forme plus avancée. Donc à la fois constat de changements nécessaires pour répondre aux évolutions de la société et souhait de faciliter les nouvelles orientations en élargissant le cadre des pratiques. Ça a été évoqué par Émilie Sistia dans sa présentation, nouvelles pratiques que sont les nouvelles muséologies, les pratiques participatives et l'ouverture à de nouvelles formes de démocratisation. Il me semble que le thème abordé ce soir s'inscrit pleinement dans l'exploration de ces nouveaux horizons de pratiques professionnelles différentes et c'est le sens des questions que vous avez posées à partir de l'ensemble des exemples qui ont été présentés. Ces questions résonnent en moi à plusieurs titres, d'abord comme professionnelle du patrimoine, certes d'une autre spécialité, mais spécialité également concernée par les pratiques collaboratives, l'indexation collaborative qui a été mise en œuvre avec bonheur dans un certain nombre de services d'archives dès les années 2010, ont permis aux recherches généalogiques de faire des progrès considérables. Les grandes collectes d'archives lancées en 2013 et 2014 à l'occasion du centenaire de la Première Guerre mondiale ont remporté un très grand succès auprès des citoyens. L'intervention au sein même de services d'archives de citoyens qui sont rompus à la pratique des archives et qui viennent enseigner la paléographie aux néophytes. Et on pourrait, ça a été évoqué également en introduction par Charles Persona, remonter plus loin encore en évoquant les participations de sociétés savantes à la diffusion du patrimoine écrit conservé dans les territoires.
Ces questions résonnent aussi en moi en tant que directrice des études du département des conservateurs, qui comprend l'organisation de la formation d'application des conservateurs du patrimoine, la formation continue des professionnels au sens large du patrimoine, les manifestations scientifiques, les publications et la recherche. Comment pouvons-nous, à l'INP, nous faire l'écho de ces évolutions, les intégrer dans nos parcours de formation afin d'y préparer les professionnels qui se forment en nos murs? Et c'est une question qui est revenue à plusieurs reprises. Émilie Girard l'a posée clairement en introduction de cette soirée. Comment former les professionnels de musée à ces exercices spécifiques et parfois difficiles? Question reprise également par Émilie Sitia, par Xavier Delasselle. Et c'est une réflexion que nous avons engagée aussi avec la FEMS. Comment ouvrir notre catalogue de formation et nos propositions de formation à ces questions nouvelles que rencontrent les professionnels du patrimoine? Nous devons chercher à y répondre. Et notre première pierre apportée à cette réflexion a été le choix de l'INP de consacrer le dernier numéro de sa revue Patrimoine à ces questions. Donc le numéro vous a été présenté, je refais une petite publicité pour ce numéro consacré au patrimoine en partage, des revendications aux collaborations. Il donne la parole à des professionnels, des chercheurs, des institutions qui ont ouvert leurs portes aux communautés. Ils rencontrent de leurs avancées, de leurs résultats, mais aussi des interrogations qui demeurent. Les travaux de Florent Moll et Julia Ferluni qui ont été évoqués ce soir témoignent de l'ouverture de nouveaux champs de recherche sur les types de projets collaboratifs, sur les niveaux de réussite, sur les modalités d'évaluation, sur la part du politique, les pratiques de rémunération. Xavier Delasselle a parlé dans son intervention de démarches expérimentales, ce qui nous place également sur le terrain de la recherche et dans une dynamique de recherche. Dans l'avant-propos du numéro de patrimoine que j'ai évoqué, Laurence Descartes écrivait « Depuis sa naissance, le musée est en débat et c'est chose fort utile. Il l'est peut-être aujourd'hui encore plus qu'hier, quand le patrimoine fait partout l'objet de discussions, de revendications ou de contestations multiples, parfois inédites. » Nos échanges de ce soir illustrent le constat du musée en débat comme lieu du débat ou lieu où se tient le débat, qu'il soit conflictuel ou non. Et là, j'aimerais simplement rassembler peut-être certains points un peu saillants des interventions des uns et des autres qui me semble permettre d'avancer en fait dans la réflexion sans néanmoins apporter de réponse à toutes les questions. Le premier point qui a été évoqué ce soir, c'est la question de qui participe et quel type de participation sont aujourd'hui à l'œuvre dans les musées, avec des questions pleines et entières auxquelles on n'a pas encore apporté de réponse, posées par Emilia Sitia dans son intervention sur la reconnaissance de ces participations, les compensations, les rétributions, les formes de représentation, les priorités qui peuvent être accordées, et surtout la question de savoir rendre les conflits qui peuvent naître de ces participations constructives. Les formes de participation, elles ont été évoquées notamment par différents exemples intervenus en fin de soirée, ce très bel exemple présenté par Annabelle Tenez sur cette exposition participative et cette participation créatrice aussi qui contribue à l'œuvre de l'artiste. Deuxième élément qui ressort, c'est celui des institutions qui accueillent ces formes de participation. Avec Lina Tahan, on l'a évoqué, deux types de musées, ceux qui sont ouverts aux pratiques participatives, qui donnent la parole aux visiteurs, pour lesquels la participation est une raison d'être, une ADN même, pour reprendre l'expression de Lorella Rinson. Et c'est le cas de ces musées qui sont par essence participatifs, ou pour lesquels le qualificatif de participe est un enjeu. C'est le cas des écomusées, des musées de société, comme l'a rappelé Xavier Delasselle. C'est le cas des musées mémoriels présentés par Lorella Rinson, avec l'exemple du MACT, ou le musée de la mémoire dominicaine qui a été présenté par Louisa de Pena.
Annabelle Ténez nous a évoqué aussi la possibilité de démultiplier les lieux de co-construction à l'extérieur même du cadre du musée via les partenaires que le musée peut solliciter dans le cadre des EHPAD, des aéroports, d'établissements scolaires ou même encore de commerce. Le deuxième type d'institutions, celui qui n'a pas été évoqué ce soir, ce sont les musées qui veulent contrôler les discours, mais qui n'ont pas donné lieu ce soir à d'échanges entre nous, ce qui vaudrait peut-être la peine en fait de poursuivre les échanges sur ces terrains plus compliqués, des types d'institutions réfractaires aux pratiques participatives. Le troisième point, celui du rôle des professionnels. La question a été posée par Xavier Delasselle sur la distinction entre la médiation et la participation, sur la question de l'implication et jusqu'où on peut aller dans le partage des connaissances et des compétences. Alors, Xavier Delasselle posait en ouverture la question de l'exemple de l'éducation populaire. Il y avait également la question qui a été posée des collectes participatives, qui peut déterminer ce qui doit être collecté, ce qui peut faire patrimoine et ce qui mérite d'être intégré dans les collections. Et il y a enfin une autre question, un autre enjeu qui est celui de l'accueil de ces participants, question posée également par la DGPA à la suite du rapport qui a été publié. Et enfin, pour les professionnels que nous sommes, celui de la poursuite des actions collaboratives organisées dans le cadre des programmations événementielles, comment inscrire dans la continuité des actions du musée ces pratiques. Enfin, dernier point, celui des freins et des écueils, qui répond en fait à cette question qui avait été posée également en introduction par Emma Nerdy, comment éviter la censure sans tomber dans la confusion démagogique. Xavier Delasselle avait évoqué la question de la remise en cause de la légitimité des institutions dans le cadre de sujets particulièrement sensibles ou conflictuels. L'exemple du MACT nous montre comment l'institution a su travailler avec les revendications pour faire écho aux interrogations du corps social, dépasser des oppositions et créer finalement les conditions d'une appropriation du musée par la population. Alors, je remercie tous les intervenants de cette soirée qui ont aidé à explorer ces différents champs, qui ont posé des questions, apporté aussi par leurs expériences des éléments de réponse, Emilia Sitia, Xavier Delasselle, Lina Tahan, Annabelle Tenez, Lorella Rinson et Louisa de Pena-Diaz, Marie-Laure Estignard qui a animé les débats, qui a souffler des questions supplémentaires aux questions qui avaient elles-mêmes été posées par les intervenants. Je remercie bien sûr Émilie Girard qui a constitué ce beau panel qui a permis d'évoquer ce sujet sous tant d'angles et d'optiques différentes. Anne-Claude Maurice, Alexia Makiné et Émilie Maume qui ont travaillé à l'organisation de cette soirée qui aurait dû normalement se dérouler sous un format hybride avec une partie de l'assistance dans l'auditorium Jacqueline Lichtenstein. Et je remercie évidemment les interprètes auxquels nous faisons faire des heures supplémentaires, mais qui ont permis à tous nos collègues étrangers soit d'intervenir, soit de suivre cette soirée. Et enfin, je voudrais, avant de terminer, revenir peut-être sur la citation de Pierre de Coubertin qui était citée en introduction par Émilie Girard. Si je la relis à l'aune de nos échanges et des enseignements de ce soir, j'aurais envie de la compléter. Donc, le plus important n'est pas de gagner, mais de participer, car l'important dans la vie, ce n'est point le triomphe, mais le combat. Et je ne souhaite pas nécessairement rester sur cette dimension combative, mais j'aurais envie de rajouter et la satisfaction qu'on peut en tirer, puisque les projets participatifs ont aussi comme levier le plaisir qu'ils suscitent, plaisir du travail en commun, plaisir du savoir partagé et échangé, plaisir de recevoir
ce qu'on n'attendait pas nécessairement, satisfaction de parvenir à un résultat, satisfaction de lancer de nouvelles dynamiques, satisfaction de dépasser les préventions. Et la prise en compte de cette dimension me paraît essentielle pour dépasser justement les freins et les écueils inévitables. Je vous remercie. Merci beaucoup, Séverine, d'avoir conclu cette soirée effectivement très, très riche. Je vais peut-être laisser la parole à Émilie pour que... on a quelques questions sur le chat, pas tant que ça, mais quelques-unes quand même. Si vous en avez d'autres, surtout n'hésitez pas, ou alors vous pouvez aussi lever la main si... voilà. Émilie, je te laisse continuer. Oui, alors j'ai le difficile rôle de choisir une ou deux questions avant de conclure parce qu'on est déjà en retard sur notre calendrier. Et merci aux 91 personnes qui restent d'être encore présentes à cette heure tardive en ligne avec nous. J'ai une question, Annabelle, pour toi concernant le musée de quartier. Pourrais-tu nous dire rapidement comment s'est passée la collaboration avec les commerçants, sélection des commerçants et des œuvres, contraintes d'exposition, transmission ou non de savoir, etc. Alors, je crois d'ailleurs qu'il y a quelqu'un qui pourrait compléter avec moi, puisque la personne qui s'est occupée du musée de quartier, Emmanuel Hamon, de l'équipe des abattoirs, est avec nous, également Anne Santini du service des publics des abattoirs. Et donc, le musée de quartier, il y a vraiment cette initiative d'une personne qui sait déjà ce qu'on fait, qui sait déjà ce que font les abattoirs. Et ensuite, il y a un travail qui est fait par les équipes, notamment l'équipe d'Emmanuel Hamon, de dialogue avec les personnes. Donc, il faut savoir que dans chacun des projets que l'on fait, on fournit des fiches de médiation. Mais on incite le partenaire à être lui-même le médiateur du projet. C'est-à-dire qu'on pense que si les personnes partenaires qui sont sur place ne s'emparent pas du projet pour en faire la médiation, alors que c'est eux qui connaissent le mieux leur public, il y aura une forme de perte de sens ou de perte de partage. Donc, un lien très fort qui est fait comme ça avec les personnes. Emmanuel, je ne sais pas si vous voulez compléter là-dessus. Sur justement votre expérience directement avec ces commerçants, puisque c'est vous qui avez dialogué avec eux. Alors, bonjour à tous. C'était un projet vraiment qui suivait le Covid, hein, puisqu'on avait déclaré que les lieux culturels n'étaient pas les lieux essentiels et que c'était les commerces qui étaient les seuls lieux essentiels. Donc, l'idée est venue d'un citoyen de ce quartier et qui a voulu, c'était un ancien enseignant à la retraite qui recevait des œuvres des abattoirs dans son lycée professionnel, et il a imaginé de solliciter les commerçants de son quartier pour accueillir des œuvres des abattoirs. Donc ça a été toute ce sont des discussions en fait à chaque fois, des œuvres, qu'est-ce qu'on veut raconter, voilà. Donc il y avait l'opticien, il y avait le fromager. Donc le fromager, vous imaginez bien qu'on va pas mettre des œuvres chez le fromager, mais on a des protocoles. Donc ça va être des vinilias d'un artiste qui s'appelle Richard Foguet qu'on va imprimer et mettre sur la vitrine du fromager. En tout cas, on a créé une rencontre qui se fait en plusieurs fois, hein. Il faut, on leur montre des œuvres, parce que l'idée aussi dans cette histoire de co-construction, on ne vient pas, on n'annexe pas les lieux, on ne décide pas, on va mettre cette œuvre, voilà. Donc il y a discussion, on présente les œuvres possibles, puisque effectivement on est peut-être plus libre qu'un musée, mais on a les mêmes contraintes, c'est-à-dire que notre objectif, c'est toujours de garder la sécurité des œuvres, l'intégrité des œuvres, donc c'est très important. Donc, c'est vraiment, on est toujours sur le fil. Et donc, il faut voilà. Donc, on discute, on projette. Et après, ben, on a créé un petit parcours entre les commerçants. Il y a eu un guide qui a été créé par les commerçants eux-mêmes. Ils se sont, et le public, les visiteurs, les acheteurs ont fait ce parcours dans ce quartier, qui est aussi un quartier très particulier à Toulouse. Ça s'appelle le quartier de la Colombette, un quartier très ouvert. Enfin, voilà. C'est pas interchangeable et transposable. C'est à un moment donné une communauté de commerçants, de citoyens qui sortaient du Covid et qui avaient envie de voir de l'art, qui avaient envie de reprendre leur souffle. Et c'était là que ça se passait. Merci beaucoup de ces quelques mots sur... Pardon, beaucoup
voilà, de ces quelques mots sur ce projet hyper intéressant. Je suis navrée, mais je vais vous proposer qu'on conclue, parce qu'on est déjà, voilà, on a dépassé l'horaire. Je voulais simplement vous remercier tous vraiment très fort de votre participation. Merci aux intervenants. Merci à l'INP une nouvelle fois. Merci à Marie-Laure pour cette modération. Et on vous donne rendez-vous au mois de juin. On vous précisera rapidement la date pour le prochain opus de nos soirées débat de déontologie. Bonne soirée à tous et à bientôt.